dans ce deuxième atelier de la fabrique francilienne de la sobriété. Donc la fabrique francilienne de la sobriété donc, est organisée par l'Institut Paris Région et plus exactement par le département énergie-climat. Donc on est par moi-même aujourd'hui accompagnée de Laure, à qui vous pouvez d'ailleurs poser des questions dans le chat si vous avez des petits soucis. Donc, je vous rappelle les horaires de l'atelier, on démarre, on va vraiment essayer de terminer à midi. Vous pouvez poser des questions dans le chat tout le long. On mettra comme d'habitude les présentations, compte rendu sur le site de la REC. Cette fois-ci, on enregistre aussi le webinaire pour le replay. Bien sûr, pensez à fermer vos micros et caméras pendant les présentations. Et cet atelier, comme vous savez, est interactif, donc toutes vos contributions sont les bienvenues. Pour vous mettre un petit peu en forme, on va passer une petite vidéo et arrêter mon partage. Et alors, je vais te laisser passer une petite vidéo de mise en bouche, très courte, en 30 secondes. Cette petite boule de verre détient des pouvoirs hallucinants. Elle est capable d'empêcher la neige de tomber. Comment? En inondant l'atmosphère de CO2. Ce serait triste que la neige ne tombe plus. Vous pensez pas? Il y a une solution. Utilisez des ampoules basse consommation. En plus, vous mettrez de l'argent de côté. La prochaine fois, je vous raconte une histoire étonnante, celle de la voiture et du glacier. Utilisez des ampoules basse consommation. Préservez votre argent. Voilà. Ben merci beaucoup, Laure. Alors, cette vidéo, elle date un petit peu une campagne de l'ADEME un petit peu ancienne. C'est pour ça qu'on parle d'ampoules basse consommation et non pas de LED. Je voulais retrouver un petit peu des publicités, des campagnes qui avaient pu être faites sur la sobriété ou la maîtrise de la demande. Bon, on a retrouvé que celle-ci, mais c'est donc un petit clin d'œil. Donc, un petit clin d'œil à l'ADEME. Donc, Raphaël, si tu nous trouves les autres vidéos, on sera un preneur. Par contre, j'entends des bruits de fond, donc si vous pouvez bien fermer vos micros. Et je poursuis avec la suite de la présentation. Voilà. Donc, quels sont les objectifs de notre atelier aujourd'hui? C'est à la fois découvrir les indicateurs de mesure de suivi ou d'impact de la sobriété et bien, pour pouvoir en fait après choisir en fonction des objectifs qu'on se sera fixés, de les utiliser pour un état des lieux, pour du contrôle, du suivi, faire des projections, créer des jalons ou des alertes. Donc, le programme de notre atelier aujourd'hui se décomposera en 3 temps. Un temps assez court sur identifier ce qu'on mesure, ensuite des interventions sur la construction des indicateurs et plus exactement pour découvrir différents moyens de mesurer et de suivre dans le temps. Donc on a 5 intervenants qui vont se présenter juste après et un troisième temps un peu collaboratif de contribution en commun comme on fait à chaque fois dans ces ateliers pour pouvoir travailler sur ces indicateurs. Message clé d'aujourd'hui qu'il faudra retenir, la sobriété est un domaine complexe, mais ça vous le savez déjà, mesurable selon différentes approches et c'est ce que nos intervenants vont vous montrer. Et puis ce n'est pas non plus un domaine qui est bien cerné en matière de mesure, on va dire pour le moment, donc c'est une démarche qui est encore en process et à mutualiser tous ensemble. Donc nos intervenants ce matin, je vais leur proposer de se présenter déjà. Alexis, je te donne la parole. Oui, alors bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Alexis Jemchewski. Je suis responsable du pôle territoire et transition à l'Agence locale d'énergie du climat, MVE, qui est sur l'Est parisien. Merci Alexis. Gabriel ?
Bonjour, je suis Gabrielle Duard, donc animatrice régionale du projet Life Artisan qui vise à développer les solutions fondées sur la nature en Île-de-France et je suis donc à l'Agence régionale de la biodiversité. Merci Gabrielle. Raphaël? Bonjour à tous, Raphaël Gerson, je suis le directeur régional adjoint de l'ADEME en Île-de-France. Merci. Claire-Marine? Bonjour, je suis donc Claire-Marine Javary, chargée de projet au Forum Vie Mobile. Merci Claire-Marine. Et est-ce que Estelle est arrivée? Alors, Estelle nous rejoindra un petit peu plus tard. Donc, merci à tous les cinq. Alors, on est un petit peu nombreux, donc on ne fait pas de tour de table, mais vous aurez l'occasion de vous présenter et bien sûr d'intervenir, de vous exprimer juste après. On va tout de suite vous demander de contribuer déjà. Pour vous, la sobriété énergétique, c'est, et est-ce que vous pourriez aller sur le lien que Laure vous met dans le chat et qui est également à l'écran, ben pour donner un mot, une idée sur ce que représente la sobriété énergétique pour vous. Regardez les réponses. Je pense que tout le monde a à peu près répondu. Écoutez, la réponse un petit peu après. On reviendra sur la réponse un petit peu après. Est-ce que tout le monde a pu accéder à la question? Si ce n'est pas effectivement, je ne vais pas répondre dans le MOOC là, vous pouvez aussi répondre sur le chat. Je reviendrai sur la réponse un petit peu plus. Je repartage mon écran. Et pourquoi je voulais rapidement revenir ce matin sur la sobriété énergétique, c'est parce qu'à l'atelier précédent, il y avait eu quelques questions sur le sujet. On a pas mal discuté en fait pendant les deux premiers cycles d'atelier sur les définitions de la sobriété. Donc effectivement, si vous voulez retrouver des informations là-dessus, vous pourrez retourner sur les différents comptes rendus qu'on a pu voir. Mais l'idée, c'était vraiment de bien redire ce matin, notamment pour ceux qui nous rejoignent, que la sobriété, c'était pour nous le premier pilier de la transition énergétique et écologique, d'ailleurs. Que la définition qui se rapproche, on va dire, le plus effectivement de ce qu'on a pu discuter pendant plusieurs mois, c'est celle du Haut Conseil sur le climat que je vous ai remis ici, hein, démarche à la fois individuelle et collective.
mais qui vise à réduire les consommations par des changements de mode de vie, de comportement, d'organisation collective, voilà, et qui consiste à nous interroger sur nos besoins et adapter nos usages à ces besoins. Et puis l'idée, c'était aussi, surtout qu'on entend pas mal parler de sobriété ces temps-ci, vous l'aurez remarqué, mais pas forcément dans les bonnes, dans les bons termes ou suivant selon ce qu'on a pu, ce qu'on peut en penser. C'est que on doit essayer aussi de combattre les idées reçues, sobriété qui peut être associée à privation, précarité, hein, petit geste, qui souvent est confondu avec l'efficacité également, qui peut être un subissement, qui est associé à la pauvreté. Hein. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir bien la définition, l'objectif aussi qu'on veut atteindre avec la sobriété. Et du coup, ce qui est important à retenir, hein, c'est qu'elle est individuelle, collective, volontaire, multiple, thématique et transversale. Je vous renvoie à nos travaux précédents et surtout porteuse de valeurs. Voilà, ça c'était pour faire un petit, juste remettre un petit peu les choses au point sur le sujet, mais on va reparler aussi de tout ce qu'on entend actuellement. On a eu le rapport du GIEC notamment. Qui est la troisième partie pardon, du rapport du GIEC, qui est sortie en début de semaine. Et puis le GIEC nous a fait le bonheur d'intégrer la sobriété cette fois-ci. Je vais passer tout de suite à la séquence 2, en fait. Donc, pour que nous puissions ensemble découvrir différents moyens de mesurer et de suivre dans le temps, donc on fera intervenir ces cinq personnes ce matin et on entrecoupera de questions-réponses. Donc, je vais arrêter mon partage et je passe du coup la parole à Alexis pour une première intervention. Alexis, si tu peux partager ton écran. Très bien, on va procéder ainsi. Donc, rebonjour à tous, à ceux qui nous ont rejoints aussi par ailleurs. Donc voilà, je me représente à nouveau tout en mettant le partage. Je suis Alexis Jemczewski de l'Agence locale de l'énergie du climat MVE de l'Est parisien. Donc juste pour rappel, après, nous sommes une quarantaine de structures hein, sur le territoire français voilà, qui ont vocation et qui sont inscrites dans la loi climat énergie résilience et qui sont reconnues comme outils d'ingénierie territoriale pour la mise en œuvre des politiques énergie-climat. Du territoire et donc la sobriété en fait forcément partie. Alors, je vérifie déjà, est-ce que tout le monde voit bien ma présentation au partage ? Oui. Oui, parfait. Donc, du coup, c'est parti. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer très rapidement, mais je vais passer dessus. C'est juste pour vous montrer qu'on est bien sur l'Est parisien, qu'on couvre 3 EPT, donc 3 territoires et 19 communes, du coup, qui sont adhérentes et qu'on accompagne, du coup, dans leur politique. Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous faire un petit retour pour ceux qui n'ont pas pu participer, notamment au cycle d'atelier des années précédentes. Le 2 juillet dernier, donc, nous avions, avec Marie-Laure, travaillé sur un enjeu qui était du récit du récit de sobriété aux indicateurs. Donc, c'était pour vous rappeler un petit peu la démarche. Et puis, on n'avait pas fait de retour à l'époque. Et c'est assez intéressant parce que, du coup, on va pouvoir se voir dégager deux, trois petites choses qui vont aider peut-être à construire la réflexion autour de ces indicateurs et de tout ce qui est notion d'impact et de résistance. Donc, juste pour remettre le contexte, sachant qu'après, tous ces éléments sont bien évidemment sur le site de l'AREC. Donc, voilà, on s'était basé un petit peu sur l'année... sur des exemples que sont Los Angeles, Barcelone avec les Supermanzana, Vancouver avec Place for People, et puis l'exemple d'Argentan Intercom pour montrer que finalement, les récits de territoire en fait, étaient au service de la mise en œuvre, on va dire, entre guillemets, d'une stratégie, on va dire, de sobriété énergétique. Et du coup, ce point-là, il nous semblait important parce qu'on s'est dit, c'est sur cette base-là qu'on va peut-être pouvoir construire, du coup, les indicateurs à venir. Je passe là-dessus. Du coup, nous, ce qu'on avait fait, c'était qu'on était parti aussi d'un témoignage qui était du coup, de se dire les récits, comment est-ce qu'ils se construisent. Et on a pu avoir la présentation donc, par les archives du Val-de-Marne d'une exposition qui s'appelle « Plus de degrés, le Val-de-Marne, le climat et l'environnement ». Donc ça, c'est juste pour votre information. Donc encore en cours, finalement, un premier épisode où il y a une exposition avec 26 panneaux assez intéressante. Nous, on a pu la voir avec mes collègues sur la période 1780 à 1945 qui montre un petit peu les démarches transition écologique, finalement, comment elles s'inscrivent culturellement dans le passé et puis comment elles ont évolué aussi entre-temps.
Sachant qu'un deuxième épisode, donc ça je leur fais un petit coup de pub aussi, est prévu, donc la suite 1945-2021 à partir de septembre 2022. Donc je vous invite éventuellement à aller voir cette exposition qui est du côté de Créteil, et si jamais vous n'avez pas l'occasion, vous pouvez peut-être aussi les solliciter, puisque de ce qui m'a été dit, donc ils ont sorti des panneaux qui peuvent servir d'exposition itinérante, qui peuvent être thématisées aussi, donc n'hésitez pas à les contacter pour voir éventuellement ce qu'il est possible de faire. Si par la suite dans les débats il y a des gens qui veulent témoigner là-dessus, n'hésitez pas. Dans tous les cas, pour revenir à notre sujet, en juillet, donc, ce qu'on avait fait, on avait travaillé sur un atelier qui avait pour but d'identifier des clés de détermination d'un récit, et que sur cette base-là, on essaye en fait de proposer des indicateurs, des notions d'impact qu'on veut viser et d'identifier les résistances qui peuvent exister. Donc là, l'idée, c'est que je vous présente juste la démarche, sachant qu'en prérequis, sur tout ce qui avait été fait sur les récits de territoire, sur le fait de partir d'un territoire et de son récit, il y a des choses, des termes maintenant que vous connaissez qui reviennent de plus en plus, qui étaient les notions du fait que la valeur est un construit sociétal et territorialisé, du fait qu'il y a des choix de société. Donc ça, c'est des choses qui reviennent, hein, donc avec tous les différents documents qui sont sortis, hein, je veux dire la sobriété qui revient vraiment sur le sujet à l'heure actuelle, donc le fait de recontextualiser les pratiques. J'avais sorti une phrase aussi dans les témoignages qui était que la politique n'aurait jamais vu le jour sans l'adhésion et la participation citoyenne. Donc vraiment ce qu'on se disait, c'est cette notion de récit par rapport aux indicateurs est essentielle puisqu'elle permet la réappropriation et l'acceptation finalement et le contournement des résistances qu'on peut parfois observer sur certains projets qui sont mis en œuvre et qui visent cette sobriété énergétique. Donc un point qui est important avant la mise en œuvre de notre atelier de juillet dernier, c'est aussi de se dire que finalement nos perceptions, on va dire à la fois spatiales, temporelles ou même culturelles, finalement sont en constante évolution. Des choses qui nous paraissaient peut-être que parfois totalement improbables il y a quelques années, du coup maintenant peuvent être tout à fait mûres et matures pour pouvoir justement basculer dans du changement de pratique tout à fait normal ou en tout cas qui peuvent être accompagnés beaucoup plus facilement. Donc ça c'était quelque chose qui nous semblait importante, sachant que par rapport au territoire, on n'est plus ancré comme avant dans un territoire où on ne bougeait pas de manière très sédentaire, on est beaucoup plus mobile, on est dans un contexte, on va dire plutôt mondialisé aussi, qui fait que nos réinterrogations, nos rapports aux ressources, nos rapports à la consommation font que on va aussi pouvoir travailler plus finement aussi sur ces résistances en prenant en compte du coup ces composantes sociétales. Donc l'idée, on s'était dit dans cet exercice, c'était de me poser ma question, de me dire en tant que personne, j'interroge mon récit personnel de la sobriété, c'est-à-dire d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vis, pourquoi est-ce que j'ai un rapport à cette sobriété qui est plus ou moins important, est-ce qu'il est économique, est-ce qu'il est social, est-ce que c'est parce que mes parents ils éteignaient tout le temps la lumière parce que c'est les grands-parents qui le faisaient après la guerre, enfin bref, plein de questions, puisque ça permet finalement d'identifier finalement les choses sur lesquelles on va vouloir travailler par la suite. Du coup, je vous le montre juste rapidement. L'idée de l'atelier, c'est qu'on avait choisi des territoires. Chacun choisissait un petit territoire. Il interrogeait son récit de territoire selon différentes temporalités thématiques. Alors là, je vais zoomer, c'est un peu flou. Mais l'idée, c'était ça. C'était qu'on se posait la question de se dire, par exemple, sur une ville de petite couronne, une ville nouvelle, par exemple, Sergio Bobigny ou un village, de se dire, dans les domaines énergie, mobilité, urbanisme, bâtiment, alimentation, tout autre sujet. Alors, quel était l'historique finalement avant ? Comment est-ce que ça fonctionnait, ce territoire ? Donc, jadis, c'était il y a très longtemps, entre guillemets. Avant, on va dire, c'est 20e siècle, début du 20e siècle un petit peu, parce qu'on on partait du principe que c'était, on est déjà dans la suite. Le présent, donc un petit peu actuellement, et ça permet d'interroger ensuite le demain. Et là-dessus, du coup, après, on proposait différents indicateurs, comme vous pouvez le voir là. Donc, on a fait un focus sur les villes nouvelles, et ensuite, d'identifier éventuellement les résistances par rapport à ces différentes thématiques. Donc, à la lecture, en fait, de ce récit, c'est intéressant parce que ça permettait justement de voir un petit peu quelles sont les résistances qui peuvent émerger, qui ne sont pas forcément les mêmes, suivant qu'on soit dans une ville de petite couronne, dans une ville nouvelle et dans un village, par exemple. Après, on peut aller encore plus finement, ce qu'on n'a pas pu faire lors de cet exercice-là, en interrogeant d'autres choses. Mais c'est des petits étonnements, un petit rapport d'étonnement que je vous ferai par la suite. Donc voilà, ça c'était la ville de Bobigny. On avait pris l'exemple en montrant éventuellement Paris, donc ça c'est des slides que vous aurez dans la présentation, mais qui montraient bien du coup comment, d'où on partait et puis comment ça peut évoluer. Donc si j'en prends un par exemple, c'est de dire l'énergie, c'est qu'en effet, il y a très longtemps avant, c'était tout ce qui était moulin, il y avait l'électricité, les lampadaires avec le gaz, des usines thermiques, et on marche au charbon.
avant le XXe siècle, ben, du coup, il y avait des réseaux interconnectés gaz, des réseaux de chaleur urbain. Donc là, on est dans le XXe siècle, une vision politique de l'aménagement donné. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il y a une situation qui se dégrade. Alors, c'était avant les conflits et tout ce qui va derrière. Mais voilà, l'idée, c'est de travailler plus sur il y a plus de participation citoyenne, le choix d'énergie, etc. Donc voilà, des choses qui évoluent de ce côté-là. Je passe dessus parce que je pense qu'il y aura des échanges après par la suite. Je pense qu'il faut plutôt privilégier. Grosso modo, les retours et contributions qu'on a eus et un peu le rapport d'étonnement qui va derrière. Dans le cadre donc, de la ville nouvelle, donc, pour revenir, pour vous remontrer, c'était bien par rapport à cette notion de ville nouvelle-là. Qu'est-ce qui était ressorti sur les contributions? Alors, côté énergie, on a pu voir des indicateurs d'impact qui était de calculer le pourcentage d'approvisionnement renouvelable par rapport au total, la notion du coût de l'énergie, et suivi des évolutions des consommations de fluides et du bilan carbone, et le niveau de connaissance du bilan carbone des différents systèmes énergétiques. Sur les résistances, du coup, ont été identifiées, surtout du coup, l'environnement législatif et réglementaire. La notion de fracture sociale, les résistances des lobbies. Donc moi, ce que j'ai dégagé quelques champs. Donc on est plutôt sur le champ politique et sur le champ social à ce niveau-là. Concernant les mobilités, donc là, c'était plutôt de se poser la question de l'évolution de la part modale, le rapport de consommation de fossiles par rapport aux habitants. Voilà, la qualité de l'air. Donc là, on est sur un enjeu plutôt santé. Les modes de déplacement induits par l'aménagement du territoire, les temps de transport. Travail à domicile, voilà, les limites énergétiques et les pénuries aussi, de voir un peu les épisodes. Puisque aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en préambule, donc comme on était un peu pris par le temps, on avait déjà essayé de se montrer aussi, de faire une frise temporelle en amont, avec, on va dire, les marqueurs, on va dire, historiques, qui fait que ça a un impact sur notre culture et notre relation à la sobriété énergétique. Donc typiquement, des COP à Paris, des événements comme ça pourrait être là à l'heure actuelle avec le conflit Ukraine, etc. Toutes ces choses qui vont marquer un petit peu et qui vont reposer un petit peu les questions et voilà, faire évoluer notre cadre culturel. Donc sur la mobilité, c'était assez intéressant, puisque là, ce qui ressortait, alors encore une fois, là, on n'était pas très nombreux non plus, donc je pense que c'est des choses qui pourraient s'enrichir et c'est une démarche qui peut être construite de manière plus structurée, mais ce qui ressortait, c'était les manques de sécurité par rapport aux pistes cyclables, par rapport aux transports en commun, le mécontentement des automobilistes, que là, du coup, j'ai traduit en termes d'enjeux de culture, la disponibilité de moyens collectifs, voilà, la fréquence, le confort, donc l'offre structurelle, par exemple. Donc, après, il y a ce deuxième tableau. Après, je vais passer plutôt sur les aspects un peu rapport d'étonnement. Donc, c'est vrai que ça peut faire un peu lourd, mais je pense que c'est intéressant parce que ça pose quand même quelques jalons. Sur l'urbain et sur le bâti, l'urbanisme, donc les indicateurs, c'était de voir un petit peu tout ce qui était structuration de fraîcheur, d'îlots de fraîcheur passive, un peu îlots de fraîcheur, les indicateurs de bien-être. Est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien? Plus quantitatif, le pourcentage des bâtiments énergie positif en mètres cubes total de bâtiments. Donc là, on était plutôt dans une réflexion donc, qui était mise en avant de volume, on va dire, puisqu'il y a aussi la notion verticalité, je pense, qui devait être intégrée aussi là-dessus. On pourrait le mettre par habitant aussi. Sur les résistances, on était plutôt sur les enjeux financiers, avec le manque d'intérêt financier des propriétaires et des locataires par rapport à ces évolutions urbanistiques. La notion aussi de montant d'expertise des aménageurs sur les nouvelles formes de construction. Donc là, c'est intéressant parce qu'on abordait un enjeu de sobriété structurelle aussi, du coup, et pas uniquement d'usage. Voilà, donc sur l'alimentation, ce qui était ressorti, c'était la consommation carnée par habitant, par exemple, cet indicateur-là, comment est-ce qu'il évolue, les notions d'amélioration de santé, la santé qui revient souvent aussi par rapport à ça, donc les baisses de dépenses de santé qui sont associées. Donc là, c'est intéressant, on va parler d'aménité qu'on va comptabiliser en plus. Donc là, pareillement, donc je vais aller un peu plus rapidement là-dessus, mais ce qui ressortait sur la résistance, c'était une notion culturelle, finalement, sur le rapport à l'aliment, sur le rapport aussi culturel au temps, finalement, est-ce que je cuisine, est-ce que je ne cuisine pas, et le rapport offre et prix qui peut exister. Donc voilà, d'autres choses qui pouvaient ressortir, par exemple, c'était une notion de végétalisation, donc un peu liée au cadre de vie notamment, sur la désirabilité, hein, un thème qui revient aussi assez fréquemment maintenant dans les échanges qu'on peut avoir, sachant que voilà, il y a toujours cette notion de culture et d'offre et de demande qui revient. Je vais passer là-dessus pour voilà, juste faire quelques constats puis quelques ouvertures qui me semblaient intéressantes. C'était de dire sur les indicateurs, finalement, la question qui mérite de se poser, c'est de dire un indicateur, en quoi est-il relatif à la sobriété en tant que tel? C'est-à-dire, il peut répondre à certains enjeux, l'efficacité énergétique par exemple, mais en quoi est-ce qu'il est vraiment tributaire d'indiquer vraiment qu'on est dans une démarche de sobriété?
De la même manière, sur la sobriété, souvent, on a tendance à s'apesantir assez et principalement sur les sobriétés d'usage. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir si on a un panel d'indicateurs, donc en cadrant un petit peu la démarche, qui permet de montrer qu'on est bien sur l'ensemble des autres sobriétés d'usage, collaboratives, etc. Ensuite, les indicateurs qualitatifs et quantitatifs, donc c'est trouver un petit peu ce bon équilibre aussi, de manière à pouvoir du coup permettre d'avoir justement un suivi intéressant qui relève de différents champs, donc du champ, on va dire, technique, économique, du champ social aussi, par exemple. Et l'idée, c'est d'avoir des indicateurs qui permettent du coup d'avoir la mise en œuvre, donc c'est ce que j'ai appelé la photo, le suivi, donc le film, de savoir un petit peu quelle est l'évolution qu'il va y avoir derrière. Et donc l'évolution, donc c'est un peu cette notion d'impact, d'avoir des ratios qui permettent vraiment de pouvoir un peu agréger toutes les données et de pouvoir réfléchir à ça. Ce qui ressortait aussi du coup de ces contributions, en fait, aussi, c'est de se dire ces indicateurs, est-ce qu'ils sont, voilà, vecteurs d'une approche globale pour pouvoir mettre en place. Alors, j'ai marqué un schéma directeur de la sobriété, alors, c'est un petit peu par provocation, mais l'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement, si on est dans une réflexion plus globale de mise en œuvre d'une stratégie de la sobriété énergétique, quels sont les indicateurs dont on va avoir besoin ? À l'heure actuelle, ce qui est constaté quand même, c'est qu'on a beaucoup d'expérimentations, de projets qui sont mis en œuvre, mais à l'échelle globale, on commence à pressentir un petit peu du fait qu'il est nécessaire d'intégrer la sobriété dans nos stratégies. Hein, elle est dans les rapports transition 2050, dans même le travail qui se fait du côté de l'MGP sur le schéma directeur énergie, des choses comme ça. La sobriété est en train de revenir comme un thème prégnant. Par contre, du coup, les enjeux de mise en œuvre de cette stratégie globale, du coup, me semble essentiel. Et du coup, cette réflexion sur les indicateurs vient approvisionner cette stratégie. De la même manière, donc résistance. Donc, je vous disais, hein, sur le champ, ce qu'on identifie principalement, donc il y a des résistances de l'ordre social, culture, la demande, d'un point de vue politique. Cette notion politique est essentielle. Il y a la notion de pédagogie, hein, qui doit venir avec une définition claire. Encore une fois, on en a parlé, hein, avec la confusion sur l'efficacité énergétique qui peut avoir lieu. Il y a la demande, il y a les aspects économiques. Donc, c'est la notion de prix, ça a un prix, ça a un coût, de l'offre et de la demande aussi. Donc, les aspects structurels aussi, quel accompagnement il peut y avoir derrière, donc elle est là par rapport au temps. Et du coup, quand on revient sur cette notion de récit, moi, ce qui me semble important aussi, c'est de savoir en quoi les indicateurs peuvent contribuer à lever les résistances. C'est-à-dire que nos indicateurs, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir communiquer. C'est des choses sur lesquelles on va pouvoir communiquer en lien avec les récits de sobriété qui peuvent exister. Ils sont pléthores, ils sont plusieurs, suivant les personnes, les professions, la culture de chacun. Et cette notion de communication, elle me semble essentielle, alors pas forcément pour être uniquement dans la communication positive, mais tout simplement pour que les gens puissent juger d'un état de fait et du coup d'une évolution qui permet de montrer que des choses avancent de ce côté-là et du coup à avoir un accompagnement de fond social, on va dire, de ce côté-là. Donc celui-là, il me semble important aussi d'avoir ce prisme d'indicateur et de voir comment ça fonctionne. Et pour, dernièrement, pour qu'on puisse bien être sur des bons calculs en termes d'impact, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on le mesure bien et qu'est-ce qu'on doit inclure comme aménité. C'est-à-dire que si je prends un exemple, ça aurait pu être l'éducation aussi, mais 1 euro investi dans l'éducation, si je l'ai mis par exemple, ou la santé, il y a une notion de service où finalement on serait plutôt déperditif si on n'inclut pas un certain nombre d'aménités positives. Et je pense que pour la sobriété, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que la non-action pour certaines choses, hein, après on met en place aussi des aménagements qui font que, mais la question qui me semble essentielle, c'est comment est-ce qu'on valorise entre guillemets au maximum le fait d'être sobre pour la société. Donc, je pense que ça me semblait important. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était bien la dernière diapositive, parce que c'est un peu assommant, il y a beaucoup de textes. Mais je pense que c'est important d'avoir cette notion et ces idées-là pour construire une démarche de construction d'indicateurs bien cadrés, mais avec ces réflexions de fond pour pouvoir vraiment communiquer derrière et puis vraiment faire en sorte que les indicateurs puissent être repris, mais à leur juste valeur et que la sobriété ne soit pas, entre guillemets, mise en avant, mais sous-estimée dans son impact, alors qu'elle ne devrait pas l'être. Donc voilà, je m'arrête à ce stade-là. Sur le partage d'écran, en espérant que ça posera déjà un premier cadre de questions sur le sujet. Voilà, je n'ai pas vu à quelle heure j'ai commencé et à quelle heure j'ai terminé. J'espère qu'on est dans le timing. On est dans le timing, c'est parfait, Alexis. Merci beaucoup. Et effectivement, merci beaucoup aussi d'avoir repris ces travaux qu'on avait faits il y a un moment maintenant.
Et là, tu as dégagé des questions vraiment très intéressantes. Il y a beaucoup de notions aussi, mais on avait pas mal travaillé. Moi, ce que je propose là, c'est qu'on passe la parole à Gabriel et qu'on fasse ensuite, après vous deux, un temps de questions-réponses. Donc, Gabriel, je te laisse partager ton écran. Alors, c'est en plein écran pour vous? Ah, attendez, je vais. C'est en plein écran, merci beaucoup. Ok. Donc, merci déjà de m'avoir invité dans cet atelier sur la sobriété. Donc, je vais vous parler des solutions fondées sur la nature. Donc, déjà, je vais commencer par vous présenter les liens entre climat, biodiversité, énergie. Peut-être que c'est évident pour certaines personnes, peut-être pour le lien avec la biodiversité un peu moins. Donc, ça me paraissait intéressant, en tout cas, de recontextualiser un peu ces liens. Je vous parlerai ensuite donc, des solutions fondées sur la nature, donc qu'est-ce que c'est leur définition et comment elles se traduisent. Et je parlerai ensuite un peu des indicateurs qu'on développe dans le cadre du projet Artisan, donc sur ces SFN. Donc les liens entre climat et énergie déjà, donc on sait que le changement climatique il va avoir un impact sur notre consommation énergétique, on va consommer plus par exemple pour diminuer nos températures dans les bâtiments, avec les chaleurs estivales qui vont être plus élevées. La raréfaction des ressources aussi, comme l'eau, va faire qu'on va aller chercher toujours plus loin, toujours plus profond, des nouvelles ressources. Et sauf que ces ressources, elles sont fournies par la biodiversité. Et donc, effectivement, les matières premières pour construire nos machines qui vont utiliser de l'énergie, mais aussi directement l'énergie qu'on consomme, comme le bois et l'eau, donc nous sont fournies par la biodiversité. Et donc, le fait d'aller, par exemple, d'aller surexploiter donc, cette biodiversité, on se tire un petit peu une balle dans le pied, puisqu'on sait qu'une biodiversité en mauvaise santé nous rend moins de services. Donc, l'exploitation hein, des fonds marins, des forêts, etc., des sols aussi. Donc ça, tout ça, ça a un impact. Et en plus de ça, le climat a aussi un impact sur la biodiversité. Il va venir fragiliser les écosystèmes qui vont aussi nous rendre donc, moins de services. Et aussi, donc, par exemple, la raréfaction de l'eau, elle sera moins disponible pour venir alimenter nos centrales hydroélectriques, refroidir nos centrales nucléaires. Le dépérissement des forêts aussi, à cause des feux de forêt, par exemple, va faire qu'on va en avoir moins pour nos centrales thermiques. Donc tout ça, toutes ces trois entités sont très interconnectées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on peut avoir une action sur la biodiversité. Et en fait, une biodiversité et des écosystèmes en bonne santé vont nous rendre en fait, des services par rapport à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Effectivement, les sols et la végétation vont venir stocker du carbone et ça va aussi rendre le territoire plus résilient aux effets du changement climatique et ça va diminuer nos besoins en énergie. Et donc, je voulais rapidement revenir sur le troisième volet du rapport du GIEC, du coup, qui est sorti lundi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire un peu une synthèse, mais ce que nous apprend donc, ce troisième volet, c'est que la production d'énergie représente donc, le principal poste d'émission de gaz à effet de serre au niveau mondial, avec 34% des émissions. Et donc, ça correspond à la production électrique, la consommation de charbon, de pétrole, de gaz qui vont devoir diminuer drastiquement pour atteindre nos objectifs d'ici 2050. Donc, d'une part, il faut effectivement une transition énergétique vers la sobriété. Mais ce que nous apprend aussi ce rapport, c'est qu'il faut agir sur l'usage des terres. Donc, que représente l'agriculture, la forêt et tous les autres usages. Et donc, c'est le troisième secteur qui émet des émissions de gaz à effet de serre, donc avec 22%. Et ce qui nous dit, c'est que si on agit sur ce secteur-là, d'une part, on va pouvoir diminuer ses émissions nettes propres, mais aussi, il va nous permettre de stocker les émissions des autres secteurs. Et c'est effectivement ce qu'on voit donc, sur la figure de droite. Hein, désolée, elle est toute petite. Donc, elle nous montre les options possibles pour réduire nos émissions nettes d'ici 2030 avec les différents secteurs. Et celui qui est surligné en jaune, donc, c'est le secteur de l'usage des sols. Et ce qu'il nous dit, c'est que la séquestration du carbone, la restauration des écosystèmes peuvent avoir une contribution conséquente pour diminuer nos émissions d'ici 2030. Et le dernier secteur donc, dont je voulais vous parler, c'est le 6%, c'est le bâtiment. Donc 6% des gaz à effet de serre au niveau mondial, mais en France, c'est un peu plus. Et donc, ce qu'ils nous disent, c'est que les villes et les aires urbaines offrent des opportunités significatives donc, pour réduire nos émissions. Donc, d'une part, en changeant nos modes de consommation de l'énergie, mais aussi en augmentant la capacité des villes à capter et à stocker du carbone. Donc, pour la suite, je vais me concentrer sur le milieu urbain, tout simplement par manque de temps.
Et donc, les impacts du changement climatique en ville donc sont de trois ordres. L'aggravation du phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc c'est, voilà, hein, pour ceux qui connaissent moins, c'est la différence de température entre les centres urbains denses, très artificialisés, avec des matériaux qui vont venir stocker la chaleur durant la journée, et qui fait que cette chaleur va être larguée durant la nuit, et qu'il y aura du coup une différence très importante la nuit entre le centre urbain et la périphérie proche, et que les températures ne descendent pas. Donc tout ça a toutes sortes de conséquences sur la santé et le confort thermique. Il va y avoir aussi une augmentation des inondations avec l'augmentation de la fréquence et de l'importance des précipitations, ce qui va entraîner de nombreux ruissellements et aussi venir saturer nos réseaux d'eau usée. Et on aura aussi une augmentation des sécheresses. Donc ça va venir participer au phénomène de retrait-gonflement des argiles qui va venir fragiliser nos structures, hein, de nos infrastructures de transport, nos bâtiments, etc. Et donc comment on répond à ces différents effets du changement climatique? Il y a trois solutions. Il y a l'approche grise, donc c'est ce qu'on appelle l'ingénierie dite traditionnelle, avec la peinture blanche pour lutter contre l'effet de chaleur, en élargissant nos réseaux d'eau pluviale. Sinon, il y a aussi l'approche douce, donc là plutôt par la gouvernance, le partage d'informations, venir sensibiliser la population sur les risques. Et on a l'approche verte, donc les solutions fondées sur la nature, ici pour l'adaptation au changement climatique, où on vient désimperméabiliser, végétaliser, renaturer. Et ce sont des solutions qui vont aussi présenter de nombreux co-bénéfices, et elles sont aussi tout à fait complémentaires, hein, avec les deux autres approches. Donc pour revenir sur quelques éléments du coup de définition, donc les solutions fondées sur la nature, elles sont définies comme étant des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés. Donc là, on revient à ce que nous disait le troisième volet du rapport du GIEC tout à l'heure. Pour relever directement les défis de société, ici l'adaptation ou l'atténuation du changement climatique, de manière efficace et adaptative, tout en assurant d'une part le bien-être humain et d'autre part en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Et donc ce concept de solution fondée sur la nature, il est né en 2008, mais en fait c'est un concept qu'on connaît déjà très bien, c'est un concept de chapeau qui vient englober toutes les techniques que l'on connaît, l'ingénierie écologique, les infrastructures vertes, l'agroécologie, etc. Tout ça, c'est des techniques que l'on connaît déjà bien. Et donc en ville, comment elles se traduisent? Eh bien, c'est l'idée, ça va être de venir perméabiliser au maximum la ville, du coup rendre les sols perméables pour qu'elles puissent infiltrer directement les eaux pluviales à la parcelle. Donc d'une part, ça permet de ne pas venir alimenter les réseaux, et d'autre part, ça permet qu'elles soient du coup d'arroser directement les surfaces végétalisées qu'on va aussi développer dans le cadre de CSFN, en créant du coup des parcs, des sols nus. Déjà, rien qu'un sol nu stocke du carbone, mais végétalisé en plus avec différentes strates, va stocker encore plus. Et par ailleurs, donc les arbres, les végétaux, ils évapotranspirent, ils permettent du coup de réduire localement la température, de créer des microclimats, de créer de la fraîcheur. Et on peut également végétaliser les toitures, les façades, du coup pour aussi réduire ce stockage de chaleur. Donc là, ce que je trouvais intéressant, c'est un document de l'ADEME, du coup, assez récent, qui compare du coup ces trois registres de solutions, les solutions vertes, les solutions grises, les solutions douces, et qui vient montrer les co-bénéfices et les impacts de toutes ces solutions. Et on voit que du coup, dans les solutions vertes, on a énormément de co-bénéfices, du coup, de la part des arbres, des toitures, des façades, voilà, des plans d'eau, et des co-bénéfices donc, sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau, la séquestration du carbone, la santé, le confort, contrairement du coup aux solutions grises, et a assez peu d'impact finalement, que ce soit sur l'empreinte carbone, la consommation énergétique, la consommation d'eau potable, seulement sur les coûts, où elle a un petit peu plus d'impact, mais il y a eu aussi d'autres papiers qui sont sortis qui montrent que ces coûts sont surtout importants au début, à la conception, du coup à la mise en place du projet, mais qu'en fait ils vont être, du coup ils vont se réduire en fait sur le long terme, puisque ce sont souvent des solutions qui demandent peu d'entretien, contrairement à des solutions grises. Et on voit que voilà, des solutions grises ont quand même beaucoup d'impact contrairement à ces solutions-là. Et donc ça, c'est des co-bénéfices et des impacts que l'on peut mesurer via des indicateurs. Donc sur les indicateurs, en fait, c'est assez difficile de mesurer vraiment des SFN en tant que tels, tout simplement parce que c'est pas des techniques qui sont constantes. C'est difficile du coup d'estimer leur efficacité, leur coût, parce que voilà, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. C'est des projets uniques qui sont pas réplicables.
qui sont vraiment adaptés aux spécificités du territoire, aux problématiques locales. Mais par contre, ce qu'on peut mesurer, c'est les économies d'énergie, les économies financières, qui peuvent être du coup de bons indicateurs sur l'efficacité des solutions fondées sur la nature. Donc le principal indicateur hein, qu'on voit, en tout cas sur le défi de la résilience climatique, c'est du coup la séquestration du carbone et le stockage du carbone. Donc comptabiliser la quantité de carbone stockée dans le sol et la végétation, pardon, en particulier dans les zones urbaines. Et donc ça va fournir une évaluation tangible de l'impact d'une solution fondée sur la nature sur les émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, la quantité de GES qui va être évitée. Et par contre, concernant du coup là plutôt les indicateurs indirects, on va du coup mesurer la quantité d'émissions évitées grâce à la réduction de la consommation des bâtiments, notamment par l'isolation, le refroidissement que fournit les SFN. Ça va en fait entraîner une moindre consommation du coup des bâtiments pour le chauffage ou pour le refroidissement, notamment avec la clim. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de mesurable. Et voilà, ça fournit aussi également donc un refroidissement, ça c'est directement mesurable de température et de confort thermique, voilà, qu'on peut évaluer aussi et qui va aussi permettre de réduire donc la consommation d'énergie. Et donc là, voilà, j'ai mis quelques indicateurs hein, qui peuvent donc se traduire en économie d'énergie associée, donc les tonnes de carbone stockées, les températures quotidiennes, les précipitations interceptées. Et là, je vais du coup là, vous présenter le référentiel qu'on est en train de construire dans le cadre du projet Life Artisan. Donc le CEREMA est en train de faire ce référentiel d'indicateurs qui permet de suivre les performances des projets de solutions d'adaptation fondées sur la nature, qui vont être mis en fait en place sur les sites pilotes qu'on accompagne du coup dans le cadre de notre programme démonstrateur, donc sur 8 ans. Et donc, ils ont défini 62 indicateurs pour, du coup, évaluer ces projets et pouvoir en faire des retours d'expérience pour qu'ils soient réplicables. Donc, on a trois axes d'indicateurs, donc ceux sur l'adaptation au changement climatique, où, du coup, ça va être de préserver, de créer des fonctions des services qui sont rendus par les écosystèmes présents, ou au contraire, de créer des fonctions et des services qui vont être rendus par des nouveaux écosystèmes qu'on va créer. Ça aide à évaluer aussi le gain net de biodiversité, donc évaluer l'état initial des écosystèmes, des espèces associées, et puis de définir aussi les objectifs de conservation. Les co-bénéfices sociaux et économiques, là, ça va être de voir quels sont les autres avantages, les autres retombées en dehors du défi premier de l'adaptation. Et puis la gouvernance inclusive, donc voir est-ce qu'il y a une bonne gouvernance sur ces projets, d'identifier les freins et les leviers, et comme ça, on aura du coup de véritables retours d'expérience. Donc là, je vais vous montrer ces indicateurs au travers de l'exemple des Mureaux. Donc c'est un des sites pilotes du programme qui, du coup, rencontre... Voilà, vous voyez cette cour d'école, hein, la cour d'école Paul Raoult, qui est immense, 6000 m², extrêmement bitumée, très peu d'ombre. Et donc, voilà, la ville des Mureaux souhaite désimperméabiliser et végétaliser cette cour d'école pour faire face à la hausse future, du coup, de la fréquence et de l'intensité des épisodes caniculaires, des vagues de chaleur, des îlots de chaleur. Et aussi rendre le patrimoine du coup végétal plus résilient et aussi également éviter le ruissellement dû aux précipitations qui vont également augmenter. Donc pour ça, ils vont donc désimperméiser, végétaliser, créer des noues pour du coup intercepter ces eaux pluviales. Donc ce qui a été proposé comme indicateur pour l'adaptation au changement climatique, ça va être d'une part d'évaluer donc la quantité d'eau pluviale qui va être interceptée, donc par le volume d'eau infiltrée, mais aussi de voir la diminution des températures, notamment par l'évapotranspiration, donc en mesurant le volume évapotranspiré, et aussi en mesurant les températures du coup locales avant-après. Sur les indicateurs de biodiversité, ça va être là de voir les nouvelles espèces qui vont arriver, donc que ce soit, du coup l'état initial c'est assez simple, mais le nouvel état ça va être les nouvelles espèces de faune, de flore, également de pollinisateurs, et ça va être aussi de mesurer les indices de connectivité pour les continuités écologiques avec le parc qui est autour. Voilà, donc ça va être de mesurer ça sur la biodiversité. Sur les indicateurs socio-économiques, là, c'est plutôt de voir comment les usagers se réapproprient le lieu. Donc, ça va être surtout les enfants, le corps enseignant. Voilà, donc de voir un peu leur perception, l'acceptabilité par rapport à ce nouveau lieu. Et voir également comment il y a eu de la sensibilisation, de la communication autour des bénéfices faits par cette solution fondée sur la nature.
Et enfin, sur les indicateurs de gouvernance, ça va être de voir comment sont associés les différents acteurs, les différentes parties prenantes autour de ce projet. Est-ce qu'il y a des nouvelles collaborations qui vont être faites? Est-ce qu'il y a des ateliers qui vont aussi être organisés avec ces différentes parties prenantes? Voilà, donc ce référentiel va prochainement être publié. C'est plus qu'une question de jours ou de semaines. Voilà, donc voilà, là, je vous ai mis un petit peu de bibliographie hein, sur les SFN que vous pourrez retrouver du coup avec mon PowerPoint. Et du coup, je vous invite à suivre du coup notre site internet et nos réseaux pour voir les nouvelles publications qu'on va sortir donc très prochainement sur ces SFN et sur ces indicateurs. Merci de. Parfait timing, merci beaucoup Gabrielle. Donc on a pu voir avec Alexis en fait des travaux là, qui portaient sur plusieurs domaines dans lesquels la sobriété intervient. Et là, ce focus sur la biodiversité est intéressant parce que nous donne des pistes que nous, évidemment, on n'avait pas identifiées. Donc ça permet d'enrichir en fait ce package, ce set d'indicateurs qu'on essaye de construire. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce niveau-là. Si vous avez des questions, il vous suffit de brancher votre caméra et de parler, tout simplement, ou alors de poser des questions via le chat. Je vais peut-être, donc merci Gabriel, je vais peut-être passer la parole à Raphaël. Raphaël, je voulais savoir si tu souhaitais passer ton PowerPoint ou si c'est moi qui le partage. Oh, si tu le partages, ça me va bien. On voit est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Mais ça ne charge pas pour l'instant. C'est que j'ai mal fait les choses. Je tourne. Ça se fait pour On est bon. Ah, ben on est bon, mais là on voit pas, c'est pas ta présentation. Non, là on est sur le WoClap. C'est en train de spoiler. Ça spoil. Voilà. Ben alors, donc on le regarde rapidement. En fait, il y a eu 60, plus de 60 réponses en fait sur le sujet. On a nécessité changement des croissances fortement, oui, qui arrive en premier. Mais il y a énormément de termes donc qui sont associés à la sobriété. On vous fera passer en fait ce nuage de mots. C'est intéressant qu'il y ait énormément de mots justement, ce qui prouve déjà que la sobriété, elle n'est pas si linéaire, elle n'est pas linéaire justement, il y a bien multi-thématique, etc. Donc, si je passe, et est-ce que là on voit le PowerPoint de Raphaël? C'est bon, Raphaël ? C'est bon, merci beaucoup et merci pour l'invitation ce matin à cet atelier. Effectivement, on va le voir dans les slides suivants, la sobriété est à l'honneur, pose des questions de définition et je vais vous parler notamment de la place de la sobriété dans les transitions 2050. Qui sont un récit. On a beaucoup insisté dans les présentations précédentes sur l'importance du récit quand on parle de sobriété. Transition 2050 sont vraiment un récit qui a développé l'ADEME pendant 2 ans avec plusieurs centaines d'experts impliqués et qui avait pour but de montrer les différents chemins possibles vers la neutralité carbone en 2050. Des chemins très différents, on va le voir, mais où la sobriété joue dans 3 scénarios sur 4 un rôle crucial. Avant de vous présenter un peu plus en détail ces scénarios, je voulais effectivement revenir sur la définition de la sobriété. Et c'était intéressant de voir le nuage de mots qui ressortait juste avant.
Quand on regarde des dictionnaires classiques, on voit effectivement quand même une convergence vers sur la définition de la sobriété comme un comportement de quelqu'un qui est sobre. Quand on parle de sobriété, on parle de comportement, on parle de comportement humain. Et on a tendance, et ce qui le distingue de l'efficacité énergétique, qui là relève plus de solutions technologiques pour essayer de recadrer un petit peu les différentes définitions et les amalgames qui peuvent être faits. Donc quand on parle de sobriété, on parle vraiment de comportement et on y associe souvent des synonymes tels que frugalité, simplicité, modération, tempérance. Donc on va voir très concrètement ce que ça implique. Et comme tu le disais, Marie-Laure, en introduction, effectivement, avec le rapport du GIEC, la sobriété est vraiment à l'honneur. On voit que c'est incontournable pour limiter le réchauffement climatique. Et tu as parlé en introduction, effectivement, du caractère transverse et multithématique de la sobriété. Et on va le voir dans les scénarios transition 2050. Je vais peut-être profiter là de ce qui a été dit précédemment pour dire aussi ce que la sobriété pour l'ADEME n'est pas. Pour l'ADEME, la sobriété, j'ai vu des mots comme nécessité de changement, comme quelque chose de subi, de contraint, d'austérité. Souvent, on fait l'amalgame entre sobriété et austérité. C'est une idée qu'on combat à l'ADEME. On pense que la sobriété peut mener au contraire, un confort supérieur. Quand on parle de vivre dans des logements mieux isolés, on parle de sortir de la voiture individuelle et de passer moins de temps dans les bouchons. Quand on parle de manger mieux, voilà, tout ça, ce sont des indicateurs de sobriété et pas du tout synonyme d'austérité, bien au contraire. On assimile aussi, et c'était visible dans votre nuage de mots, la sobriété à la décroissance. L'ADEME n'a pas de position croissance versus décroissance. En revanche, ce qui apparaît comme un résultat de nos scénarios transition 2050, où la sobriété joue un rôle fondamental, c'est qu'aucun de ces scénarios n'est décroissant. Si on regarde l'indicateur PIB, le PIB dans les différents scénarios est supérieur ou égal à celui d'aujourd'hui. Donc, on ne s'inscrit pas dans des scénarios décroissants et pourtant la sobriété joue un rôle fondamental. Et enfin, j'ai vu aussi apparaître dans le chat notamment la sobriété en lien avec l'économie. Et effectivement, et on a parlé aussi de coûts. La sobriété a un coût d'entrée, effectivement, parce que ça implique des changements fondamentaux. Après, ça peut être tout à fait facteur d'économie. Un logement mieux isolé fait faire des économies. Acheter en seconde main dans des ressourceries, des recycleries, très bon pour le pouvoir d'achat. Voilà, donc c'était un petit peu pour dire ce que la sobriété était et ce que la sobriété n'était pas pour partir sur un socle commun. Voilà, maintenant si je passe aux transitions 2050, vous allez voir que la sobriété joue un rôle important. Pour rappeler rapidement l'exercice, peut-être que certains d'entre vous sont déjà familiers avec ces scénarios, mais peut-être que d'autres les découvrent. L'idée était vraiment le contexte était vraiment de fixer un cap en 2050, la neutralité carbone. Ça, c'est le cadre général, l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Et le GIEC, pour atteindre ses objectifs, parle des 3 prochaines années qui sont cruciales. On verra qu'on est tout à fait en phase avec ça dans nos scénarios. Et donc, de construire des récits, comme je le disais précédemment, qui mènent à cette neutralité carbone. Donc les 4 scénarios que vous allez voir mènent tous à la neutralité carbone en 2050. Vous allez voir qu'ils y mènent de façon très différente. Donc la méthodologie, ça a été de construire ces récits, au sein de ces récits, de traduire ces récits en hypothèses quantitatives qu'on a mises dans un modèle
multisectorielle, parce qu'on voit que tout est lié, hein, industrie, agriculture, résidentiel, déchets, tertiaire, transport, tous ces secteurs sont intimement liés et ont des conséquences les uns par rapport aux autres. Et donc, il a fallu faire ensuite de multiples itérations pour arriver à la neutralité carbone dans chacun des scénarios avec des hypothèses très quantifiées et qu'on va donc pouvoir utiliser comme indicateur de sobriété notamment. J'y reviendrai par la suite. Donc, si je vous présente rapidement le résultat et ces quatre scénarios. Donc, si on passe au slide suivant, le premier de ces scénarios, le scénario 1, s'appelle génération frugale. Donc, comme son nom l'indique, on est dans un scénario très sobre. On est dans un monde, là, on se projette dans un monde en 2050 où la neutralité carbone, elle est atteinte par la sobriété et une sobriété plutôt individuelle, par des comportements individuels de citoyens volontaires. Des citoyens qui ont divisé leur consommation de viande par 3, qui achètent bio et local à 70%, qui, en termes d'habitat, l'existant est optimisé. Hein, on n'est plus, on limite fortement la construction neuve et on est plutôt dans l'investissement de logements vacants, de résidences secondaires qui n'existent plus. Toutes les résidences deviennent des résidences principales. On est dans la rénovation massive, rapide, globale de tous ces logements. En termes de mobilité, on se déplace beaucoup moins, on baisse son nombre de kilomètres par personne d'un tiers par rapport à aujourd'hui, puis on se déplace surtout à pied ou à vélo pour la moitié des trajets. L'approche de consommation, on est dans une approche low-tech, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on réutilise, on répare, on recycle, et l'approche du numérique, elle est sobre, elle est partagée, c'est-à-dire qu'on considère que la consommation des data centers par rapport à aujourd'hui reste identique en 2050, à celle qu'elle est aujourd'hui, elle n'augmente plus. Donc ça implique une démétropolisation en faveur des villes moyennes et des zones rurales, et on est dans un monde où on travaille proche de son domicile, on produit proche de ses besoins, et surtout on recycle à 70%. Voilà ce monde de génération frugale en 2050 qui mène à la neutralité carbone. Un autre chemin vers la neutralité carbone, c'est le deuxième scénario, c'est le scénario coopération territoriale. Là aussi, la neutralité carbone, elle est atteinte par la sobriété, mais cette sobriété, elle est collective, elle est concertée, et elle, à cette sobriété s'ajoute également de l'efficacité énergétique. On voit apparaître aussi un développement de solutions techniques pour venir compléter cette sobriété, mais qui reste le facteur numéro un pour atteindre cette neutralité carbone. Là encore, si on regarde l'alimentation, on est dans un monde où on a divisé, non pas par 3, mais par 2, notre consommation de viande. On achète local et bio, non pas à 70%, mais quand même à 50%. On est dans une logique de cohabitation des logements. On met en commun les infrastructures. On rénove toujours aussi massivement, mais de façon graduelle. Et en termes de mobilité, on se déplace toujours moins, mais on avait baissé de 33% dans le premier scénario, là on baisse de 17% notre nombre de kilomètres, et puis à pied ou à vélo, toujours pour la moitié des trajets. Pareil pour l'approche du numérique, on a une approche sobre et partagée, donc la consommation des data centers est stable, et on a une approche d'efficacité énergétique. Donc là, on est plutôt dans un monde de villes moyennes qui coopèrent entre elles avec des gouvernances partagées et avec un rôle important de la planification territoriale, des politiques foncières et de la fiscalité. Face au scénario 3, là, autant les deux premiers scénarios étaient vraiment axés sur la sobriété et les puits naturels de carbone suffisaient pour atteindre la neutralité carbone, autant là, à partir du scénario 3, on bascule dans des mondes où les solutions techniques et l'efficacité énergétique jouent un rôle de plus en plus important et prennent le pas sur la sobriété. Là, dans le scénario 3, c'est un monde qui ressemble un peu à notre monde d'aujourd'hui, même si j'aurais dû le dire en préambule, le scénario tendanciel actuel va dans le mur. Hein, il est clair que si on continue comme aujourd'hui, on n'atteindra jamais la neutralité carbone en 2050. Donc, je pense que vous le savez tous, mais ça vaut bien d'être rappelé, et ce qui explique qu'il faut effectivement changer et s'inscrire dans un chemin qui peut être un des quatre chemins que l'on décrit aujourd'hui. Donc dans ce scénario 3,
Il y a une évolution de l'offre décarbonée et au puits naturel, on voit les premiers puits technologiques apparaître. Par puits technologiques, j'entends notamment la séquestration de CO2 en sous-sol. Donc pour l'alimentation, si je reprends un petit peu les postes précédents, pour l'alimentation, on est effectivement dans une consommation de viande qui baisse toujours, hein, mais de 30%. On achète local et bio toujours, mais on descend à 30%. Pour l'habitat, on a une logique haussmannienne, c'est-à-dire qu'on déconstruit pour reconstruire à grande échelle et avec des rénovations moins ambitieuses à 50% en basse consommation. En termes de mobilité, c'est le premier scénario où on se déplace plus qu'aujourd'hui. Plus de 13% de kilomètres, mais on se déplace plus proprement avec du covoiturage et des véhicules électriques. Et les trajets à pied ou à vélo se font toujours, mais à hauteur que de 30%. Et en termes de mode de consommation, on consomme, mais en fait en misant sur des technologies décarbonées les plus compétitives, comme la biomasse et l'hydrogène. Et le numérique est au service de cette optimisation. Donc là, la consommation des data centers par rapport aux deux premiers scénarios, elle est multipliée par 10 par rapport à aujourd'hui, alors que dans les deux premiers scénarios, elle était stable. Donc on est plutôt dans un monde de métropole, plutôt en concurrence pour gagner cette croissance verte. Et on recycle toujours, mais moins, à 60%. En fait, on commence à produire davantage, mais de façon décarbonée. Et le dernier scénario, c'est le pari réparateur, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est sur le slide suivant. On est vraiment dans un pari technique, c'est le scénario 4, où là, on ne change pas le comportement. C'est le scénario où la sobriété disparaît complètement. On n'est pas dans un changement de comportement, on est dans un développement des technologies. On mise sur ces technologies pour compenser nos émissions. Donc, si je reprends les postes précédents, l'alimentation, la viande, on baisse notre conso que de 10% et on voit apparaître au contraire des protéines de synthèse. Les rénovations sont beaucoup moins ambitieuses et on construit du neuf, étalement urbain. Mais pour atteindre cette neutralité carbone, ces constructions neuves sont truffées d'innovations technologiques qui permettent de baisser la demande en énergie. La mobilité, on se déplace beaucoup plus. Hein, là, on est à plus 28% de kilomètres et vite. La marche ou le vélo, c'est seulement 20% des trajets. Le numérique est en plein essor, la consommation des data centers fait x15. Et donc, du coup, pour compenser tout ce qu'on produit, on fait appel à des technologies qui ne sont pas matures aujourd'hui et à des puits technologiques. On fait non seulement appel à la séquestration de CO2 au sous-sol, mais on fait aussi appel à du captage de CO2 dans l'air, notamment à la sortie de tous les sites de production. Donc voilà, on mise sur des technologies qui aujourd'hui ne sont ni matures technologiquement, ni viables économiquement. Il y a quelques pilotes aujourd'hui à ce stade. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un vrai pari où on ne change pas nos comportements, mais on atteint la neutralité carbone par les innovations technologiques. Voilà, l'ADEME ne se positionne pas sur ces quatre scénarios. Elle a présenté quatre chemins possibles. Mais clairement, si on regarde les principaux résultats, si on regarde, il y a des scénarios qui apparaissent clairement plus risqués. Le scénario 1, génération frugale, qui axe vraiment sur la sobriété individuelle, il peut être très clivant socialement quant à sa désirabilité. Et le scénario 4, pari réparateur, on fait un risque très fort de faisabilité technologique. Mais on voit que dans ces quatre scénarios, après les pondérations sont différentes, mais on voit que dans ces quatre scénarios, la neutralité carbone, elle repose sur des paris humains et ou technologiques très forts. Et par contre, un résultat commun à tous ces scénarios, c'est qu'il faut agir immédiatement. On le montre clairement, la prochaine décennie, enfin cette décennie actuelle, est cruciale jusqu'à 2030. Et on est complètement en phase avec l'alerte lancée par le GIEC sur les trois prochaines années. Et ce que montrent aussi ces différents scénarios, c'est qu'il faut préserver le vivant pour préserver ces puits biologiques de biomasse et auxquels viendront peut-être s'ajouter des puits technologiques si on est plutôt dans les scénarios 3 et 4. Voilà, mais en tout cas, un message quand même positif, certes alarmiste parce qu'il faut agir maintenant, mais positif, c'est que c'est difficile, mais c'est possible. Donc, si on se mobilise dans cette décennie, c'est encore possible. Des résultats communs à ces différents scénarios aussi, c'est que quel que soit le scénario, et ça c'est un message très important, la demande d'énergie, donc on parle de sobriété, la demande d'énergie, elle baisse.
Même dans le scénario 4, c'est le graphe de droite, hein, où vous avez la consommation finale d'énergie par secteur, vous avez le scénario actuel en 2015, enfin actuel 2015, à 1772 TWh, on passe à 1287 dans le scénario 4, puis on descend à 790 dans le scénario 1. Donc il y a une baisse de la demande finale d'énergie dans tous les secteurs. Et cette baisse de la demande, comme je vous le disais, elle est atteinte soit par la sobriété, soit par l'efficacité énergétique. Sobriété à 100% dans le scénario 1, efficacité énergétique à 100% dans le scénario 4, scénario 2 et 3 marchant sur les deux jambes de la sobriété et d'efficacité énergétique. Mais on voit que, suivant le choix que l'on fera, parce que c'est vraiment un choix collectif de société, la pression sur les ressources naturelles, elle varie par rapport à la présentation précédente. Bah, si on se place dans un scénario 1, les besoins en eau pour l'irrigation, vu qu'on est dans un scénario beaucoup plus sobre, bah, ils sont beaucoup plus faibles que on se place dans le scénario 4, où là, effectivement, les besoins en eau pour l'irrigation augmentent par rapport à aujourd'hui, même double. Voilà pour des résultats communs. Alors, les perspectives par rapport à ces scénarios et par rapport à l'atelier qui nous intéresse aujourd'hui, ben, je vous encourage à aller voir sur le site transition2050.indem.fr. Vous aurez le rapport qui fait près de 700 pages, mais vous avez aussi une synthèse de 45 pages et un résumé exécutif de 12 pages qui vous permettront d'en savoir plus sur ces scénarios. Et je voulais justement, par rapport à l'atelier d'aujourd'hui, sur le slide suivant, montrer ce petit slide de synthèse que vous trouverez dans le résumé exécutif. Alors, comme ce n'était pas très lisible, j'ai repris à gauche les différents indicateurs parce que, justement, pour parler de sobriété, on voit que la sobriété, elle est multithématique, elle est transversale et donc on suggère là des catégories à regarder quand on essaye de fixer des indicateurs de sobriété. Quand on parle de sobriété, on va regarder l'appétence de la société, on va regarder nos habitudes alimentaires, on va regarder notre mode d'habitat, on va regarder notre façon de nous déplacer. On va regarder la technique, c'est-à-dire notre rapport au progrès, au numérique notamment. On va regarder comment est organisée la société en termes de gouvernance. On va regarder comment les territoires sont organisés, c'est-à-dire les rapports entre les espaces ruraux et urbains. On va regarder des aspects macroéconomiques et puis on va regarder aussi les aspects industriels. Si j'illustre dans le slide suivant des indicateurs, j'en ai cité quelques-uns quand je présentais les quatre scénarios. Si vous regardez la société, on peut mesurer l'appétence au changement de comportement des citoyens. On peut mesurer s'il y a une tendance vers la frugalité ou vers le consumérisme. On peut mesurer la confiance dans la technologie. Donc ça, c'est des enquêtes qui peuvent le faire. Quand on parle d'indicateurs de sobriété sur l'alimentation, on va regarder la consommation de viande, ça se mesure. La part du bio, ça se mesure. Je vous donnais des exemples quand je présentais les scénarios. Sur l'habitat, on va regarder le nombre de rénovations, si le rythme, si c'est massif ou graduel, le niveau de déconstruction, de construction neuve, les labels et le pourcentage et les objectifs en termes de labels pour la rénovation énergétique. Sur la mobilité, on va regarder le nombre de kilomètres parcourus, la part de mobilité active par rapport à la mobilité carbonée, la vitesse aussi qui joue un rôle important. Quand on regarde le technique, je vous ai parlé tout à l'heure de la consommation des data centers qui peut être un indicateur pertinent, ou aussi la croissance et l'usage des dispositifs de recyclage, de réparation et de réparabilité. Pour la gouvernance, on va regarder effectivement les échelles de décision, les dispositifs fiscaux, les degrés de planification. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a des éléments très tangibles et mesurables pour mesurer cette sobriété. Pour les territoires, on va regarder le nombre d'habitants en fonction des métropoles, des villes moyennes, on va mesurer l'étalement urbain. Quand je parlais de macroéconomie, on va regarder les indicateurs de prospérité, puisque est-ce qu'on reste dans une logique de PIB ou est-ce qu'on regarde d'autres indicateurs? On va regarder aussi le degré d'échanges internationaux, de commerce international, d'échanges entre les différents pays. Et puis pour l'industrie, on va regarder la maille des sites industriels, si on est plutôt sur des petits sites qui produisent localement ou au contraire des gros sites centralisés avec beaucoup de transports associés.
On va regarder le degré de recyclabilité, par exemple, dans l'approvisionnement des matières premières pour ces sites industriels. Voilà, j'ai cité ici quelques exemples d'indicateurs de sobriété dans chacun de ces thématiques. Et enfin, voilà. Juste une minute, Raphaël. Une minute. Bah, écoutez, je conclue du coup sur pour aller plus loin dans ces transitions 2050. Sur l'apparition de différents feuilletons. Nous, ce qu'on appelle feuilletons, en fait, ce sont des chapitres qui zooment hein, vraiment sur des thématiques précises. Il y a eu le mix électrique qui est sorti en février. Il y a eu 8 nouveaux feuilletons en mars 2022. Et je voulais attirer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collectivités et de territoires présents aujourd'hui, donc je voulais attirer votre attention sur le feuilleton « Territoire ». Alors, ça ne sera pas une boîte à outils pour vous dire comment faire de la prospective et décliner les scénarios transition 2050 sur votre territoire, puisque vous l'avez vu, c'est 2 ans de travail et beaucoup d'experts, mais c'est pour susciter l'intérêt des territoires pour les transitions de 2050, donner envie aux territoires de s'approprier l'exercice et de partager les grands enseignements. Et sur le slide suivant, on voit ces grands enseignements que j'avais envie de rappeler pour conclure. C'est que nous, on pense que ces scénarios prospectifs, ce n'est pas tellement de choisir S1, S2, S3, S4, c'est plutôt de se placer sur cet axe de sobriété d'un côté ou de pari technique de l'autre et de fixer un cap clair et partagé pour une transition écologique désirable et de mobiliser les acteurs une fois ce cap fixé et enfin de faire des choix très cohérents dans l'ensemble des secteurs, puisqu'on voit que cette sobriété, elle est multithématique, multisectorielle et que tout est lié. Voilà, je finirai là-dessus. Merci beaucoup. Mille merci, Raphaël. C'est un tout petit peu pressé. et puis, ça a bien, merci d'avoir bien reposé, en fait, ces 4 scénarios et l'information sur ces feuilletons où il y a encore pas mal d'informations à reprendre effectivement pour la mise en œuvre des actions sur les territoires et puis d'avoir donné, là on a encore aussi des exemples d'indicateurs différents, on est encore dans d'autres domaines, donc on couvre encore d'autres domaines. Je vais passer la parole à Claire Marine et on fera un petit jeu de questions-réponses juste après Claire Marine. Claire Marine qui est et qui nous partage son écran. Ça fonctionne? Et on voit très très bien. Bonjour à tous. Je suis Claire-Marine Javary. Je suis chargée de projet au Forum Vimobile. Alors par contre, je vais changer le mode de partage parce que je vais partager en PowerPoint Live puisqu'il me faudrait mes notes en même temps. J'en ai pour une minute. Non, ça arrive. Voilà, c'est parfait. C'est bon? Donc, le Forum Vimobile, c'est un institut de recherche en sciences humaines et sociales qui s'intéresse aux mobilités. Donc, nous, on est peut-être un peu différent dans votre cadre, c'est qu'on n'est pas du tout des spécialistes de l'énergie. Hein. Donc, on travaille sur les mobilités avec une entrée plutôt de sciences humaines et sociales. Donc, notre objet, c'est la place que les mobilités occupent dans les modes de vie et plus généralement dans nos sociétés, comment les déplacements façonnent nos activités et nos territoires. Notre fonctionnement, c'est qu'on est une association de 1901. On est financé par la SNCF. Donc, notre rôle, c'est de définir un programme de recherche et de financer en fait, des équipes d'universitaires qui réalisent les projets de recherche. Et donc, notre travail, c'est de à la fois orienter, définir ce programme de recherche et valoriser les résultats, les faire connaître à la fois à travers des conférences, des contenus qui sont accessibles sur notre site Internet. Donc, toutes les recherches qu'on réalise sont accessibles sur le site du Forum Vimobile.
Et aussi, on valorise les résultats de nos recherches à travers d'autres formats comme des ouvrages, des expositions. Enfin, voilà, on essaie vraiment de diversifier nos contenus pour faire connaître nos résultats. Donc, en fait, depuis quelques années, le Forum Vimobile, à l'origine, on était un institut de recherche. Donc, on se contentait, on va dire, de faire des diagnostics et d'écrire des phénomènes. Et depuis quelques années, il y a eu la volonté de se lancer plutôt dans une démarche de réflexion plus prospective et peut-être aussi plus politique, plus tournée vers le futur, pour pouvoir formuler des propositions qui visent à mettre en œuvre des modes de vie à la fois désiré et plus durable. Donc nous, c'est vraiment notre double entrée, c'est vraiment la question des modes de vie qui sont souhaités, et notamment ce que les gens souhaitent en matière de place, des déplacements dans leur mode de vie, et évidemment la question la question écologique et la question de la décarbonation. Et donc, pour cela, on bénéficie, on va dire, d'une certaine liberté qui nous permet de ne pas, enfin, d'investir des chantiers qui ne sont pas forcément investi par l'université ou par les think tanks politiques, par exemple. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé une réflexion sur le rationnement du carbone, enfin le rationnement des déplacements carbonés. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est venu à réfléchir à ce sujet? Parce qu'on constate, enfin, c'est pas nous qui constatons, mais on acte le fait que les émissions liées au déplacement représentent 30% des émissions nationales et continuent d'augmenter. Et ce qui est très bien montré par Aurélien Bigot dans sa thèse, c'est que en fait, les efforts qui sont réalisés en matière de report modal, donc c'est-à-dire développer des alternatives à la voiture pour inciter les gens à réaliser des trajets autrement qu'en voiture, et en termes d'efficacité énergétique des motorisations, ces efforts-là ne compensent pas le fait que la demande et les kilomètres parcourus continuent d'augmenter et que c'est le facteur principal d'augmentation des émissions de CO2 liées au déplacement. Le deuxième constat, c'est que les émissions de CO2 liées au déplacement, elles sont extrêmement liées au niveau de vie. Et donc, en fait, plus on est riche, plus on se déplace avec des modes polluants, et donc plus on émet du CO2 en lien avec les déplacements. Et donc, ce constat-là vient confirmer finalement la critique qui a été faite, notamment par le mouvement des Gilets jaunes, de la taxe carbone, qui cherchait en fait à user du signal prix pour faire baisser la consommation, mais finalement qui s'avère extrêmement injuste pour les ménages les plus pauvres, qui sont ceux qui polluent le moins en se déplaçant et qui pourtant subissent plus fortement le poids de cette taxe dans leur budget. Donc finalement, notre question, c'était: est-ce qu'on peut imaginer une politique de limitation des déplacements carbonés, donc finalement une politique de répartition des efforts de sobriété en matière de déplacement qui soit équitable et efficace? Donc cette idée de rationnement, elle est présente dans des travaux et dans des réflexions militantes depuis assez longtemps. Une chercheuse donc, qui est vraiment une référence sur cette question, c'est Mathilde Chouba, qui est maître de conférence à Sciences Po Lille, qui a réalisé sa thèse sur le rationnement, avec plutôt aussi une perspective historique sur des expériences qui ont pu déjà avoir lieu dans des contextes de pénurie, dans des contextes de guerre ou de choc pétrolier, comme ça a été le cas aux Pays-Bas, et avec plutôt une approche assez large sur tous les domaines de consommation, donc où elle porte la proposition, elle défend l'idée qu'il faudrait réguler la consommation, répartir les quantités de consommation possibles pour notamment protéger les plus vulnérables. Donc ça, c'est une des personnes qui travaille sur le rationnement depuis longtemps. On a aussi une initiative plus récente qui s'appelle Les Assises du Climat, que vous avez peut-être eu l'occasion de suivre, qui était une série de conférences justement sur les indicateurs, on va dire sur la métrique des obligations de résultats en matière de réduction de CO2, et qui aujourd'hui défendent aussi l'instauration d'un compte carbone appliqué à tous les domaines de consommation,
pour vous citer d'autres personnes qui se sont intéressées à cette approche, François Ruffin et Delphine Bateau avaient déposé une proposition de loi sur les quotas carbone appliqués à l'avion en 2020. Donc, notre idée, nous, notre démarche, c'est vraiment d'explorer l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne porte pas la proposition, on ne défend pas la proposition, mais on a ouvert un chantier de réflexion et de recherche sur ce sujet appliqué au déplacement. Et ce qu'on a vu aussi de notre côté, c'est que dans une enquête qu'on a réalisée pendant le confinement, il s'est avéré que 53% des répondants se déclaraient favorables à des mesures de rationnement, dans la mesure où, en fait, la règle est à condition que la règle soit équitable et ne permette pas aux plus aisés d'y déroger. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les enquêtes sur la sobriété, justement, ou sur les efforts à réaliser individuellement pour atteindre les objectifs de réduction de CO2. C'est le fait que les gens souhaitent que ce soit réparti, que les efforts soient répartis équitablement. Et qu'on ne puisse pas, qu'on garantisse que tout le monde réalise les mêmes efforts. Pourquoi l'appliquer? Donc nous, notre sujet, c'est les déplacements, donc on s'intéresse à l'application du rationnement aux déplacements, et on fait aussi l'hypothèse qu'un rationnement appliqué aux déplacements serait moins complexe à mettre en œuvre que dans d'autres secteurs de consommation, comme l'alimentation ou l'habillement, dans lesquels la mesure des émissions de CO2 associée à la consommation finale est extrêmement complexe, ce qui est quand même moins le cas avec les mobilités carbonées. Donc la première étape de réflexion qu'on a lancée, c'était un projet qui a été réalisé avec l'Université Paris-Cité, une équipe d'étudiants qui était encadrée par Arnaud Passalacqua, qui est ingénieur et historien des transports. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller au-delà de l'idée théorique et de proposer un scénario, de tester des hypothèses et de faire des choix pour imaginer un système qui soit à la fois simple, lisible et juste, pour établir un rationnement des mobilités carbonées. Donc les recommandations, je passe un petit peu vite, vous pouvez retrouver le rapport complet sur le site, j'ai mis le lien, mais les recommandations qui ont été formulées par l'équipe d'étudiants, c'est de mettre en place un système simple et lisible, donc vraiment d'éviter la complexité à la fois technique et administrative, en mettant en place une carte et un compte carbone qui servent en fait à acheter du carburant et des billets d'avion. Donc vraiment de cibler uniquement les déplacements les plus émetteurs. Et aussi de se baser sur les systèmes de contrôle existants, c'est-à-dire ne pas rajouter un nouveau mode de contrôle, mais se baser sur ce qui existe. Donc c'est le cas pour le carburant et pour les billets d'avion. La vente, l'achat est extrêmement contrôlé. Et on évite aussi la possibilité d'avoir recours à un marché noir ou à de l'autoproduction. Il y a vraiment, eux, ils ont fait le choix d'exclure les transports collectifs, d'exclure d'autres modes de déplacement qui sont aussi émetteurs, mais dont le calcul ou le contrôle serait trop complexe. Ce qu'ils ont recommandé aussi, c'est de mettre en place des critères de répartition qui soient justes et en nombre limité aussi, pour limiter la complexité. Donc eux, leur proposition qui peut se discuter, c'est vraiment, l'idée c'était de construire un scénario qui est une base de discussion, mais eux, leur proposition, c'était évidemment en fonction du nombre d'enfants, en fonction du type de territoire dans lequel on vit, et en fonction de certains critères exceptionnels qui demandent à se déplacer beaucoup, comme la recherche d'emploi ou des problèmes de santé. L'autre recommandation importante qu'ils ont formulée et qu'on trouve assez intéressante, c'est l'idée d'une application progressive, c'est-à-dire qu'en termes de possibilités et d'acceptabilité aussi, ce serait d'abord cibler les déplacements professionnels, réalisés dans le cadre du travail, et donc de réfléchir à des formes d'application à l'échelle des entreprises ou des organisations de travail, avant de cibler des déplacements personnels. Et aussi, dans ce cadre-là, d'abord cibler les déplacements en avion avant de cibler des déplacements en voiture thermique. Et enfin, la troisième recommandation qu'ont formulée cette équipe de recherche, c'était d'introduire une souplesse dans la gestion des quotas, c'est-à-dire avec la possibilité de revendre éventuellement d'échanger des surplus de quotas selon sa consommation, ou de pouvoir en acheter si on souhaite pouvoir en acheter un petit peu plus.
Ce qu'on a constaté en regardant quand même le modèle, c'est que finalement, cette question de l'échange, elle devient extrêmement vite obsolète, puisqu'en fait, la trajectoire de réduction, puisqu'ils se sont vraiment basés sur les trajectoires de la SNBC, est tellement drastique qu'assez rapidement, les quantités de CO2 possibles à émettre en se déplaçant deviennent très faibles et le surplus est quasiment impossible à dégager. Donc bien sûr, il y a un certain nombre de limites à ce scénario dont on pourra discuter. Ils ont travaillé à une échelle nationale, ce qui est quand même une échelle extrêmement théorique qui pose beaucoup de questions. Se focaliser de manière générale, la focalisation sur les émissions de CO2 quand on parle de déplacement, elle a aussi énormément de limites, puisque dans ce cadre-là, la voiture électrique... Enfin, voilà, on pourrait simplement remplacer tous les trajets réalisés en voiture thermique par de la voiture électrique et on atteindrait nos objectifs de neutralité carbone. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on porte pour le coup au Forum Vie Mobile. On dit justement que les gens aspirent aussi à moins se déplacer en kilomètres, en tout cas à moins subir des déplacements longs et pénibles, et qu'il faut aussi repenser l'aménagement des territoires, l'organisation du travail pour permettre une vie plus en proximité et réduire le besoin de se déplacer. Donc en fait, on insiste sur quelque chose de très important, c'est que finalement un système de rationnement ou de gestion individuelle de ces émissions carbone, elle est non seulement on ne défend pas du tout l'idée de faire reposer la responsabilité de leurs émissions sur les individus, mais en plus, ce serait parfaitement inefficace, puisque ce qu'on a vu dans ce projet, vous pouvez regarder ça sur le site, c'est qu'en projetant ces trajectoires de réduction sur des profils réels, très rapidement, et effectivement, les personnes se retrouvent dans des situations de blocage évidents. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'imposer, de mettre en place une limite, d'acter une limite collective reconnue par tous, afin que les politiques publiques s'organisent enfin, on va dire, se mettent en ordre de bataille pour rendre effectivement possible de vivre et de se déplacer sans les modes les plus carbonés. Du coup, ce qu'on a regardé aussi dans le cadre de cette réflexion qu'on a ouverte, c'est des expérimentations qui ont été mises en œuvre. Combien de temps est-ce qu'il me reste? Oh, pardon. J'ai pas suivi le temps, c'est pour ça que je voulais juste savoir combien de temps il me reste. 5 minutes, Claire-Marie. Ok. Donc je vais rapidement vous présenter cette expérimentation qui a été menée à Lahti, en Finlande. Donc, c'est une expérimentation qui a été basée sur une application mobile qui a été utilisée par 350 personnes pendant 6 mois. Donc elle a été perturbée en fait par le Covid, mais c'est intéressant de regarder comment elle a été conçue. Donc c'est évidemment un système donc basé sur le volontariat qui se voulait donc à la fois équitable, participatif et incitatif. Donc ce qui est intéressant en particulier, c'est le fait que la ville de Lahti, c'est une ville de 120 000 habitants qui est assez en pointe sur les questions de décarbonation et de sobriété énergétique. Et ils ont mis en place ce projet dans le cadre d'un financement européen. Et donc c'était une brique d'un projet plus large sur la mobilité durable à Lahti. Donc l'idée, c'était que ce soit basé sur une application mobile qui permet de mesurer les émissions de CO2 associées à ces déplacements au quotidien. Donc là, l'approche, pour le coup, elle est assez différente de ce que préconisaient les étudiants du projet précédent, puisque c'est une application mobile qui détecte les déplacements que vous réalisez avec le mode avec lequel vous le réalisez, donc y compris les transports collectifs et associés des émissions de CO2. Donc le principe est assez simple, c'est que en fonction de l'objectif de réduction des émissions carbone des déplacements de la ville, ils l'ont traduit en objectif individuel. Et donc l'idée, c'était de pas dépasser un budget hebdomadaire lié au déplacement. Le plus intéressant dans cette expérimentation, c'est le fait qu'ils ont fait participer en fait les habitants à sa conception et à la définition des critères de répartition et à la définition aussi des critères de réduction. Donc, en particulier, les critères de répartition qui ont été retenus, c'est le nombre d'enfants, la distance du domicile au centre-ville, et aussi, encore une fois, des situations exceptionnelles qui nécessitent de se déplacer beaucoup, en particulier pour des raisons de santé.
Et le choix qui a été fait, c'est d'appliquer un objectif sur la période donnée, d'appliquer un objectif de réduction proportionnelle. Donc, chaque participant, quelles que soient ses émissions de départ, devait réduire ses émissions de 25%. Donc, les résultats en termes d'effets sur les mobilités, ils sont intéressants. Enfin, il y a des effets à la fois sur la prise de conscience de son empreinte carbone et des pratiques. Après, l'expérimentation, elle a été donc très perturbée par le Covid. Donc, en termes de résultats, c'est pas extrêmement solide. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a été, pour le coup, accompagnée de mesures en faveur des mobilités actives dans la ville. Et ce qu'on peut noter, c'est que c'est vraiment un système qui se voulait incitatif, donc il y avait des récompenses pour les personnes qui restaient en dessous de leur budget carbone, et notamment des titres de transport gratuits ou d'autres avantages en matière de mobilité durable, quoi. Donc nous, les suites de cette réflexion, de notre côté, c'est de réfléchir à la conception d'une expérimentation en France. Donc là, on a aussi missionné une nouvelle équipe d'étudiants qui est encadrée par Arnaud Passalacqua pour définir en fait quel choix, quelle stratégie, quelle solution technique on pourrait recommander à des élus ou à des associations qui souhaiteraient expérimenter ce type d'approche au niveau local. Donc bien sûr, de manière volontaire, incitative et voilà, et de manière aussi co-construite avec les gens qui souhaiteraient participer à ce type d'expérimentation. Et le deuxième projet qu'on a lancé sur ce sujet, c'est la question de l'application à l'échelle des entreprises, puisque donc une des recommandations importantes du projet d'Arnaud Passalacqua, c'était finalement qu'il y avait un levier, il y avait quelque chose à creuser du côté des organisations, avec une approche par le budget carbone, parce que finalement, ce que nous disent les entreprises, c'est qu'elles, ce dont elles ont besoin, c'est des outils donc, évidemment, de pilotage et une règle qui soit à la fois stable dans le temps et qui soit partagée, enfin, qui soit appliquée à toutes les organisations. Et finalement, l'approche par le budget carbone peut être intéressante dans ce cadre-là peut-être plus facile à mettre en œuvre ou plus acceptable pour les gens, puisque ce qu'on sait, c'est que finalement, le plus souhaitable, c'est de pouvoir réduire les déplacements les plus subis, et en particulier les déplacements réalisés dans le cadre du travail et les déplacements domicile-travail. Donc là, on ouvre un chantier de recherche, donc j'ai pas de résultats à vous donner là-dessus. C'est un projet qui va durer un an et qui vise à regarder dans quelle mesure, sous quelle modalité d'application et avec quels effets et enjeux on pourrait mettre en place ce type d'approche dans les entreprises et les administrations, les employeurs de manière générale. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Claire-Marine. C'est très intéressant, une expérimentation vraiment complètement différente de ce qu'on peut voir d'habitude, une approche très différente de ce qu'on peut voir d'habitude, une manière d'appréhender la sobriété. Ce que je retiens qui est intéressant et qui n'est pas si je l'ai vu beaucoup ressortir dans le nuage de mots tout à l'heure, c'était la répartition équitable. Et c'est surtout ce qui est mis en avant, en fait, dans ce genre de démarche. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte et qui rajoute aussi dans les indicateurs. Alors quand on dit indicateur, évidemment, c'est assez large. Donc merci beaucoup. Alors on a une dernière présentation et qui est assez courte là, pour le coup, de Estelle Cosciolone d'Enedis qui nous a rejoint. Estelle, je pense. Voilà. On s'est vu. Donc, Claire-Marine, si vous pouviez arrêter le partage. Et Estelle. Oui, Estelle, bonjour à tous. Je vais prendre la main. Alors, je ne sais pas comment arrêter le partage. Je pense qu'il faut. C'est un petit. Si vous partez. À côté de partager, je pense. Oui, écrit partager, départager. Normalement, si vous prenez le contrôle, je pense que ça va l'enlever. Ok. Je vais le faire. Ouais, c'est bon. Bon, ça a marché.
Donc, Estelle, vous pouvez prendre le, oui, oui. le contrôle. Est-ce que c'est bien là? Pour l'instant, on n'a pas accès. Non, non, j'ai juste un petit souci d'ordinateur. Qui m'a relancé Firefox juste au moment où je prenais la main. D'accord. Alors, ce que je propose, c'est que pendant voilà. que vous vous connectez, on va prendre une question de Claire, parce que je crois que Claire devait partir rapidement. C'est ça, Claire? Bon, merci, je reste encore là à vous écouter, je vais y rester encore quelques instants, je trouve ça très très intéressant. Je trouve que la question qui est posée dans la conversation sur est-ce que la notion d'indicateur telle qu'elle est prévue là est cohérente avec l'objectif de frugalité et de sobriété, donc de changement de comportement. L'indicateur est une mesure d'efficacité, l'efficacité est technique, là on parle de changement de culture, et donc quels seraient des indicateurs intéressant à mettre en place qui soit plus représentatif du côté culturel que du côté technologique, en fait. Oui, tout à fait, c'est bien effectivement là tout le souci, parce que effectivement la sémantique indicateur, elle s'applique pas de la même manière effectivement quand on chose d'un point de vue de la sobriété, oui, tout à fait. Et l'autre chose que je trouve très intéressante, c'est les expérimentations qui ont été présentées par l'ARB là, dans le programme CEREMA. Donc, je pense que je vais aller regarder un peu plus précisément ce que vous avez fait pour mettre en évidence ce qui est dit, mais qui n'est pas facile à démontrer sur les interactions entre le climat, l'énergie, la biodiversité, l'environnement, parce qu'on parle de biodiversité, je crois qu'il faut parler d'environnement global. Et je trouve que cette interaction en termes d'éducation ou de communication, elle serait à mettre encore plus en avant qu'elle ne l'est faite aujourd'hui. Voilà. Merci en tout cas de toutes ces informations. D'accord. Ben, merci Claire. Je me permets juste de dire que moi, je devrais partir à 11h20, donc dans 8 minutes. Alors, je ne sais pas si pour répondre aux questions, si je le fais maintenant ou si tant pis, je participerai pas à la... Voilà. C'était juste pour désolé pour cet impératif. Mais... Eh bien, écoute, comment dirais-je, Raphaël, si tu as vu une question dans le chat ou quelque chose auquel tu peux répondre là tout de suite. Oui, j'en ai vu quelques-unes qui concernaient les différents scénarios. La dernière concernait des éventuels exemples d'appropriation sur les territoires. Là, je vous renvoie effectivement au feuilleton territoire. Où le troisième chapitre est consacré à ces exemples, et on voit effectivement des exercices intéressants de prospective qui ont lieu par exemple en Bourgogne-Franche-Comté sur l'autonomie alimentaire et énergétique du territoire, dans les Hauts-de-France sur le mode d'occupation des sols et des emplois, en PACA sur l'adaptation au changement climatique. Et celle qui se rapproche le plus des scénarios transition 2050, c'est en Nouvelle-Aquitaine où il y a eu une vraie mise en récit du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, donc qui peut être assez inspirant. Et sinon, il y a eu d'autres commentaires finalement sur les différents scénarios, plutôt en faveur des scénarios S1, S2, qui mettent l'accent sur la sobriété par rapport au scénario S3, S4, qui mettent plus l'accent sur les développements des technologies. Il y a eu des commentaires sur les faits que le développement des technologies dans S3 et encore plus dans S4 repose sur des technologies qui ne sont pas matures aujourd'hui. Je confirme, hein, c'est ce que j'ai mis en exergue. Nous, notre position à l'ADEME, elle est pas de, nous, on n'est pas une ONG, on est un centre d'expertise et de conseil aux politiques publiques. Donc, on met sur la table les différents scénarios avec leurs risques. Et clairement, est-ce qu'on préfère miser sur des comportements humains de sobriété avec les risques d'acceptabilité que ça comprend, ou est-ce qu'on préfère miser sur des développements de technologies qui ne sont clairement pas matures aujourd'hui. Voilà, c'est un choix qui appartiendra aux politiques, aux territoires, mais finalement aux citoyens, puisque ce sont vraiment les citoyens qui feront bouger
les politiques, les entreprises par leur mode de consommation. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on a souhaité le mettre au débat public dans le cadre notamment de la campagne présidentielle. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions avant que je dois vous laisser. Non, j'avais relevé ces questions, ces remarques et ces questions-là également. Écoute, merci Raphaël en tout cas. Et puis s'il y a des questions qui viennent par après, de toute façon, on les repartagera. Important de revenir là-dessus, c'est un instrument de mesure et qui peut aider en fait chacun en fait à se réinterroger sur sa sobriété, mais également qui est un instrument important aussi pour tous les services d'accompagnement des collectivités ou des particuliers, puisqu'il y a ça permet d'avoir des informations assez facilement, même si on n'a pas tout, puisqu'effectivement c'est normal, on ne peut pas se comparer à tout le monde, on ne peut pas avoir accès aux données, bien sûr, des autres clients, mais en tout cas, c'est une approche voilà, qui permet d'interroger la sobriété et puis aussi de conseiller, de faire des éco-gestes, etc. Il est 11h28. Alors, il y a beaucoup de... Moi, je vois beaucoup de choses et d'interrogations, effectivement, dans la conversation de la réunion, et notamment sur peut-être, est-ce que c'est pas si ça a déjà été dit, mais on en revient là-dessus. Est-ce qu'il faut mesurer être des indicateurs pour la sobriété? En fait, on nous en demande. Alors, c'est bien pour ça qu'on travaille sur le sujet. Je pourrais passer la parole à Stéphane Signoret. Je ne sais pas s'il est encore là, puisqu'il avait posé cette question. Ou alors, oui. Patrick. Oui, salut Marie, je suis plus là. Bonjour. Bien. Oui, ben on a un peu échangé sur le chat, là, vraiment, avec une question que j'ai posée, j'allais dire presque de manière naïve, où effectivement, la notion d'indicateur est très liée à la notion de performance, à la notion d'efficacité. Il y a le chercheur américain qui s'appelle Thomas Prinsen, qui a écrit il y a longtemps sur cette idée de sobriété, et il passe en fait tout le début de son livre à montrer que tous les travers que l'efficacité a pu créer, enfin, quand je dis les travers, ça n'a pas fait que ça, bien sûr, ça a créé le progrès qu'on a pu connaître depuis le début du XXe siècle, qui est aussi important. Mais du coup, c'est vrai qu'avoir des indicateurs, il y a cette culture un peu de performance, et ça me pose question vis-à-vis des indicateurs de sobriété pour être sûr que c'est plus ou moins pertinent. Voilà, mais il y a Julie Maillard qui a fait des réponses intéressantes, Alexis a aussi réagi. Ils peuvent éventuellement réagir à l'oral s'ils le souhaitent, parce qu'autant je vois que c'est intéressant d'avoir des indicateurs de résultats, mais là on est vraiment sur les grands objectifs globaux, collectifs qu'on se fixe en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre par exemple, ou de plus de surface végétalisée. Mais dès qu'on descend à l'échelle individuelle, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression. On tombe un peu dans le normatif. Et c'est intéressant parce que la présentation sur le rationnement montre que ce n'est pas non plus impossible. C'est-à-dire que faire du rationnement, finalement, c'est poser une norme à tout le monde. Elle a du sens que si elle est équitable, hein, comme l'a expliqué l'intervenante. Enfin voilà, ma question était très ouverte. Je n'ai pas de réponse sur ce qu'on peut réellement faire. Mais voilà, si vous avez envie, d'autres personnes ont envie de discuter un peu là-dessus, ça peut être intéressant. D'accord, merci Stéphane. Et du coup, il y a Patrick B. Je suppose que c'est Patrick Bem. C'est toi, Patrick, qui est à la lumière. Oui, bonjour. Attendez, je remets ma caméra. Je sais pas, voilà, vous me voyez peut-être. Merci beaucoup et merci beaucoup pour ces échanges. C'est des avis très intéressants. C'est toujours intéressant de discuter de la sobriété. Et il s'est dit des choses très intéressantes, y compris dans les commentaires. Non, simplement, sur la question des indicateurs, je me demande s'il ne serait pas intéressant d'intégrer à la réflexion les travaux qui ont été faits et qui continuent, autant que je sache, par la Fabrique écologique qui a créé l'an dernier un groupe de travail, enfin, qui a animé un groupe de travail sur le sujet notamment de l'économie circulaire, avec l'idée de dire la sobriété, vous savez qu'un des gros problèmes de la sobriété, en tout cas c'est ce qui est reproché à tort à notre avis, mais c'est le fait d'impliquer comme corollaire obligatoire un modèle économique récessif de décroissance. On sait bien qu'il n'en est rien. Et justement, la réflexion sur les modèles économiques pour la sobriété,
bah, tourne pas mal autour de l'économie circulaire ou de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, que l'ADEME connaît bien. Donc à ce propos-là, il y a des indicateurs quand même qui ont été travaillés par ce groupe animé, je le disais, par la Fabrique écologique l'an dernier, qui sont des indicateurs de circularité, alors qui essaient de mélanger, alors c'était une réflexion, hein, la quantité de déchets produits sur un territoire, le taux de valorisation de ces déchets, les taux d'émission de CO2, les taux d'incorporation de matières premières secondaires dans le total des consommations, et ainsi de suite. Donc je crois que sur le sujet donc des indicateurs pour la sobriété, ces réflexions-là, je pense, sont assez, de notre point de vue, assez intéressantes, et ce sera peut-être bien de les prendre en compte dans nos réflexions sur ces indicateurs pour la sobriété. D'accord, merci beaucoup Patrick. Est-ce que quelqu'un veut réagir juste derrière? Vous réagissez, il y a plein de conversations dans le chat. Je essaye de faire ressortir les questions qui avaient été posées depuis le début dans le chat, notamment une question pour Gabriel sur les indicateurs verts. Qui fournit les indicateurs verts tels que le tonnage de carbone stocké par un projet? Je ne sais pas, Gabriel, si tu avais pu... J'avoue avoir vu la question, mais peut-être pas tout à fait compris de savoir d'où ça venait. Je n'ai pas bien compris. C'est la personne qui a posé la question. Alors, Laure Dumas veut peut-être poser la question à l'oral. Elle est encore là. Des questions sur des données sur les températures de moyenne de chauffage et non chauffage pour les acteurs, ça on a vu. Victoria qui nous parle du carnet de rationnement sur le climat. Et bon, alors, carnet de rationnement sur le climat, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut réagir là à ce qui a été Vous êtes beaucoup répondu en fait dans le chat. Il y a Julie qui veut réagir, je pense, sur le débat indicateur notamment qui s'est mis en place sur le chat. Eh ben, Julie, elle lève la main. Elle lève la main, vous n'avez pas vu. Bonjour Julie. Il n'y a pas de son, Julie. On ne t'entend pas, même si le micro est activé. Et ça, non, on n'entend rien pour le moment. C'est peut-être le. Des écouteurs. Alors, je dis, c'est branche sur branche. Petit souci de. De connexion. Voilà, on a perdu Julie pour le coup. Elle revient, mais juste par rapport à ça, si tu avais sur ce qui était sur le chat, c'était pour dire qu'en fait, je pense qu'il y avait vraiment un débat qui était mis en place sur la mise en place des indicateurs et la notion un petit peu, on va dire, technico-technicienne qu'on peut avoir et les risques qui peuvent exister avec ça. C'est-à-dire de faire rentrer en fait la sobriété dans un cadre uniquement technique avec ses travers. Et du coup, voilà, je pense que c'est là-dessus qu'elle va vouloir réagir. Puisque l'idée en fait aussi c'est cette notion un peu de désirabilité, de ne pas être forcément dans une route qui est donnée par les indicateurs qui a suivre, mais voilà, d'ouvrir un petit peu les champs, et je pense qu'elle revient incessamment sous peu. Effectivement, c'est un peu le risque, et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de collectivités aussi qui ont travaillé sur des indicateurs entre guillemets de bien-être, de sobriété, on parle de sobriété heureuse, et etc. Ouais. Alors, je pense qu'on a perdu Julie, parce que moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est d'avoir un petit temps de travail collectif, comme on fait d'habitude, si ça vous va. Je repartage mon écran. Est-ce que c'était moi, ça? Non, ça M. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Pas non plus. Non. Ce matin. Je tourne. Et
Oups. Et là, normalement, c'est le cas. C'est bon. Oui. Oui, donc je voudrais qu'on ait un petit peu le temps de faire un exercice collectif, en fait, par rapport à tout ce qu'on a échangé sur jusqu'à présent, et de qu'on puisse aller échanger sur un tableau blanc, voilà, tous ensemble, et d'aller sur le lien. Alors, je vous rappelle qu'on vous avait demandé de créer un compte Miro. C'est gratuit, c'est rapide, ça prend 2 minutes. Et ensuite, une fois que le compte Miro est créé, il faut aller se connecter sur ce lien que Laure met dans le chat. Et ensuite, partage en sous-groupe en se plaçant sur le tableau de son sous-groupe. L'idée, c'est d'échanger voilà, en petits groupes, en fait, par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin, en fait, sur une action, une action de sobriété, et dans une thématique qui peut être l'énergie, la mobilité, l'eau, l'alimentation, les déchets, enfin, peu importe, toutes les thématiques voilà, qu'on a pu évoquer. Et puis, à partir d'une action voilà, qui est déjà en place ou que vous souhaitez mettre en place, de pouvoir repérer quelles sont les cibles, les impacts, nuisances, éco-bénéfices, et puis ce qui a été présenté aussi ce matin, toutes les résistances auxquelles peuvent faire face ces actions de sobriété. Donc vous allez vous retrouver sur ce tableau-là, sur lequel en fait il suffira d'aller cliquer sur les sticky notes pour placer un post-it en fait sur le tableau de votre groupe. Oui, alors comme on n'avait pas beaucoup de temps, on a essayé de choisir une action sur laquelle l'un ou l'une d'entre nous avait une expérience concrète pour pouvoir l'illustrer. Donc on s'est intéressé à la sobriété sur le domaine de l'alimentation et à l'action de sobriété qui porte sur la réduction des repas carnés en cantine, avec une initiative de proposer en cantine 2 à 3 repas par semaine sans viande. Donc, on s'est d'abord demandé, on a d'abord essayé de clarifier quelle était la cible, mais plus précisément aussi quelles étaient les parties prenantes de cette action au-delà de la cible. Donc, on a bien sûr, c'est une cible qui concernerait la restauration municipale. Donc, on était dans un cas où il y a une cantine centralisée qui gère les repas avec des cantines scolaires. Donc, on a déjà aussi là, plusieurs acteurs à coordonner. Aussi, les municipalités qu'il faut inciter pour que l'action soit adoptée. Donc, c'était aussi une action qui intégrait des associations qui sont justement celles qui ont poussé pour challenger aussi le plan climat des municipalités et proposer la mise en place de cette action. Et puis, bien sûr, les parents, les familles, les enfants qui sont des parties prenantes importantes, notamment en termes d'acceptabilité de l'action. Et donc, ça, on y reviendra après. Ensuite, on s'est intéressé on a eu une conversation groupée entre quels seraient les impacts de cette action et les indicateurs associés à ces impacts. Donc, on a traité ça ensemble. Le premier impact qu'on a identifié, c'est évidemment celui de l'empreinte carbone, qui permet indirectement aussi de mesurer l'impact en termes de consommation énergétique, on va dire, à la fois d'énergie directe, mais aussi d'énergie grise, de ces repas non carnés. Concrètement, l'indicateur assez simple qui peut être calculé, de compter le nombre de repas non carnés, de faire une estimation moyenne, notamment à partir des référentiels de l'ADEME, entre l'empreinte carbone d'un menu carné et celle d'un menu végétarien, par exemple. Ensuite, on s'est intéressé à des indicateurs qui vont plutôt porter sur des co-bénéfices, notamment un indicateur qui semblait essentiel, c'est celui du maintien de l'équilibre nutritionnel des menus. Donc, on a cité le référentiel GERNCN, j'espère que je n'écorche pas. Donc, s'assurer qu'en fait, les menus végétariens, en tout cas non carnés, respectent ce référentiel-là, il semble un indicateur important. Ensuite, un indicateur qui n'avait pas forcément été travaillé, mais auquel qu'on a évoqué, ce serait un indicateur de qualité nutritionnelle des menus, pour essayer peut-être de montrer que le fait de réduire la viande dans les menus permet de récupérer un certain budget, peut-être pour investir dans des aliments bio ou peut-être des menus de meilleure qualité. Donc, voilà, ça c'était très hypothétique, mais à creuser. Et puis peut-être un indicateur aussi d'acceptabilité des familles, donc par exemple de satisfaction des familles ou des enfants, est-ce qu'ils ont aimé les menus non carnés. Donc ça peut être aussi un bon indicateur. Et ce qui renvoie du coup à la dernière colonne
vers laquelle on est allé. Oui, c'est cette résistance. Donc, le point clé, évidemment, c'est l'appréhension de si j'ai pas de viande, est-ce que ça va être bon et est-ce que ça va m'apporter suffisamment de protéines. Donc, c'est le principal levier de résistance qu'on a identifié. Peut-être un second levier qui va être aussi la capacité d'adaptation des structures de restauration, qui nous semble un point important. Donc après, voilà, ce que ça va demander peut-être en termes d'accompagnement, de formation aussi pour aller vers des menus non carnés. Et donc, on a identifié en levier possible les pédagogies, la sensibilisation pour rassurer notamment sur l'apport en protéines. Voilà. D'accord. Ben merci beaucoup, Julie. Ben c'est très clair. Voilà. Et donc, je peux peut-être proposer au groupe 7 de faire une petite restitution. Du groupe 7, je vois que le tableau a été pas mal rempli. Oui, alors j'étais dans le groupe 7, Clément. On n'a pas trop échangé, mais en fait, on se retrouve sur des points communs plutôt autour de la rénovation, autour des bâtiments, que ce soit l'état existant ou la rénovation, et comment on intègre du coup les consommations qui ont un impact assez important. L'usage est dissocié de l'efficacité, avec des actions déjà en place. Alors, je note des clics du côté de MVE, c'est ça ? Voilà, qui est un classique sur lequel je pense qu'on va peut-être pas revenir spécifiquement là pour laisser la place aux autres dispositifs. Plus grand public. Oui. Il y en a peut-être un sur lequel on fait peut-être un petit clin d'œil qui est un peu nouveau, c'est un qui s'appelle Détective Économe. C'est dans le cadre d'une école. Donc qui a été rénové, qui est référencé BDF donc sur Fontenay-sous-Bois. On a été sollicité en fait pour accompagner les usagers pour éviter un petit peu les effets rebonds, donc pour la prise en compte finalement de comment fonctionnent ces nouveaux bâtiments qui sont généralement culturellement un petit peu différents que ceux dont on a l'habitude puisqu'ils ont été conçus avec une certaine manière de gérer le bâtiment. Donc on a créé tout un parcours pour comprendre en quoi il a été éco-conçu et un autre parcours autour de la notion d'usage. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est une cible plutôt enfant, mais pas que, c'est aussi les professeurs, etc. derrière, donc ça peut permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne pour qu'à terme ça fonctionne bien. Et avec notre économe de flux, c'est là où ça peut devenir intéressant, c'est que des campagnes de mesure ont été faites suite à des enquêtes derrière, et du coup ça permet de régler aussi un petit peu sur les ressentis à quelques petites choses près, du coup les réglages aussi qui vont derrière par rapport aux ressentis de chaleur, le confort d'été, etc. et de confirmer un petit peu les bénéfices qui en ressortent et pérenniser peut-être dans le temps un petit peu le bon usage de ces bâtiments par tous, à travers sa compréhension et un côté ludique. Du coup, je redonne la main à Clément, du coup, qui a... Oui, moi, je n'étais pas parti plutôt sur une opération existante, mais plus sur un projet de mieux intégrer la sobriété dans la rénovation des copropriétés, puisque il y a beaucoup d'acteurs, notamment sur la maîtrise d'œuvre, qui travaillent beaucoup sur l'efficacité des bâtiments. Mais après, c'est vrai que sur l'usage, que ce soit avant travaux ou après travaux, on n'a pas encore forcément une connaissance suffisamment précise. Et il y a souvent la question de « oui, mais est-ce qu'on va vraiment faire des économies après travaux ?» Donc, d'essayer de faire prendre conscience aux usagers, habitants en particulier, des ordres de grandeur de leur consommation et de l'impact de leurs usages, notamment le chauffage. Mais ce n'est pas encore une action avec des indicateurs très précis. Plutôt un projet qui, je pense, est aussi dans certaines ALEC sur le suivi de l'accompagnement de la rénovation. Voilà pour ma part. Il n'y a pas encore de nom associé, mais bon, ça relie avec notamment le programme RECIF qui vise à massifier la rénovation, mais pas forcément à faire que de l'efficacité. D'accord, et ben un grand merci en tout cas. Il y a eu on a eu 4 propositions là ce matin sur lesquelles vous avez pu discuter, ça c'est intéressant. Je suis désolée pour le petit souci technique où je vous ai envoyé dans un no man's land et la consigne n'était peut-être pas très très claire pour tout le monde. En tout cas, ils disent c'était de faire un exercice rapide et merci d'avoir joué le jeu. Après, il y a des gens qui devaient partir également, donc il y a beaucoup moins de monde sur cette fin d'atelier.
En tout cas, je vous remercie tous beaucoup d'y avoir participé. Et je vais juste si partager mon écran pour la fin. Donc pour vous dire que comme les dernières fois, en fait, il y a un certain nombre de ressources qui ont été identifiées. Donc les dernières ressources, que ce soit des rapports, des vidéos, des articles, etc., que vous pourrez retrouver dans le compte-rendu. Et également des choses qui ont été fournies par nos intervenants. Et à savoir qu'on retrouve en fait tous les comptes rendus et maintenant les replays en fait sur le site de l'AREC. Donc le prochain atelier, ça sera sur le thème des coopératives et collectifs. Et il y aura notamment l'intervention d'Enercop. Et en juillet, un atelier axé low-tech et sobriété de la conception à l'usage. Sachant que ça, c'était des thématiques qui avaient été choisies par les participants la dernière fois. Et le 23 septembre, l'atelier sur les imaginaires de la sobriété, où on vous présentera notamment l'étude régionale sur les imaginaires de la sobriété en Ile-de-France. Pour novembre, le thème reste encore à définir. Et bien sûr, on vient faire encore une conférence régionale en décembre. Donc, merci à vous tous pour votre participation ce matin. Voilà, d'avoir joué le jeu, c'était un petit peu long là sur la fin. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver donc à ce prochain atelier au mois de juin. Pardon, excusez-moi. Et Alexis, tu as demandé la parole et je te la donne. Volontiers. Oui, je voulais juste, je me posais juste une question par rapport à pouvoir analyser finalement les budgets qui sont alloués aux actions de la sobriété en tant qu'indicateur un petit peu supra. Je trouve que ça aurait été intéressant parce qu'on arrive à comptabiliser l'efficacité, les ENR, etc. Voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible pour voir si finalement les investissements se font à la bonne hauteur en fait de ces enjeux-là et du coup de mettre après en œuvre la politique qui va bien avec? D'accord, ça c'est une bonne question, on pourra creuser effectivement. Et ça me renvoie en fait sur une réflexion, sur des réflexions en fait qui ressortent pas mal, et notamment là dans l'enquête, dans l'étude imaginaire, c'est que la sobriété n'est pas souvent nommée comme ça. Donc il y a pas mal d'actions de sobriété qui sont faites et ne sont pas nommées sobriété, donc il faut déjà aussi repérer les actions de sobriété alors qu'elles n'en ont pas le nom, parce qu'elles ne sont pas identifiées comme telles, parce que les porteurs en fait ne les relient pas à la sobriété, ou alors parce que la sobriété pour certains est encore un vilain mot. Mais tout ça est peut-être en train de changer actuellement, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'articles là qui sont sortis sur le sujet. Et puis le fait que les scénarios aient mis beaucoup ça en place, l'Agence internationale de l'énergie aussi en a remis une couche, et le rapport et le GIEC qui fait enfin entrer la sobriété aussi dans ses recommandations, ça sera important aussi. Donc on pourra, je suppose qu'on va avoir de plus en plus d'idées foisonnantes sur le sujet. En tout cas, je vous remercie tous. Vous pouvez mettre vos caméras pour se dire au revoir si vous voulez. Et voilà, bon, je termine pour le passage en sous-groupe que nous essaierons de maîtriser un peu mieux la prochaine fois. Mais en fait, la prochaine fois, en fait, l'idée, ce serait d'être en présentiel. Enfin, c'était déjà l'idée cette fois-ci, mais l'idée la prochaine fois, c'est vraiment d'être en présentiel. Voilà. Merci beaucoup, bonne fin de journée à tous et merci encore aux intervenants aussi, c'était très riche. Voilà. À bientôt sur le site pour le compte-rendu. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.